Bonjour à tous. Bienvenue pour ce second webinaire co-organisé par le CTIFL ILITAP sur les légumes en agriculture biologique. Je suis Mathieu Conseil, responsable légumes et maraîchage à l'ITAP, et avec Juliette Pella, que vous voyez également à l'écran, responsable légumes bio du CTIFL. Nous avons donc co-organisé ce second webinaire sur les légumes bio. Aujourd'hui, il fait suite à un webinaire organisé en décembre dernier où ont déjà été abordés des aspects liés aux techniques de production et principalement de gestion des buis agresseurs et de l'enherbement en culture de légumes biologiques. Et donc, c'est le deuxième d'une série de deux webinaires qui remplacent les traditionnelles rencontres techniques CTIFL-ITAB organisées depuis 7 ans par nos deux instituts. Et ce premier webinaire, vous pouvez retrouver les présentations qui ont été faites ce jour-là et les vidéos des interventions sur le site du CTIFL et sur la chaîne YouTube du CTIFL. Et le webinaire du jour sera également disponible sur le même format d'ici quelques jours. Après l'intervention de la brève introduction de Jacques Rouchossé et en complément de l'introduction qu'avait faite Ludovic Guinard, directeur général délégué du CTIFL pour le webinaire du 3 décembre dernier, qui avait très bien introduit ces deux webinaires, moi je vais pas faire très très long. Je me limiterai juste aujourd'hui à rappeler quelques éléments de contexte de cette manifestation. Donc ces deux webinaires ont remplacé, donc, ce que je disais tout à l'heure, les traditionnelles rencontres techniques CTIFL-ITAB, qui étaient organisées physiquement dans un centre CTIFL tous les ans, en alternance entre rencontres techniques fruits une année et rencontres techniques légumes une autre année, et dont la mise en œuvre n'a pas été possible cette année en raison du contexte sanitaire. Malgré tout, ces rencontres sont le résultat d'une collaboration donc, étroite entre CTIFL-ITAB, et on a tenu à les maintenir. Et donc cette collaboration dure depuis 7 ans sur des aspects techniques et de programmation, de recherche, expérimentation, mais aussi de valorisation. Voilà, ce webinaire est une des formes de valorisation qu'on met en œuvre depuis donc 7 ans pour valoriser auprès d'un large public au sein des filières fruits et légumes les résultats de travaux et de recherche et expérimentation de nos deux instituts techniques, mais également d'autres structures partenaires sur les travaux de recherche et expérimentation sur les fruits et légumes biologiques. Donc aujourd'hui, vous êtes près de 500 inscrits à la session du jour et nous vous remercions de votre présence et de votre participation à ce webinaire. Malgré le format un petit peu moins convivial que des rencontres techniques physiques, vous êtes invité à poser vos questions lors des différentes interventions pour des sessions, des questions qui seront remontées suite à leurs interventions en fin de session. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le menu questions qui est en bas à droite de la fenêtre de Livestorm. Hein. Il y a un onglet questions et vous pouvez vos questions. Et donc elles seront collectées, et elles seront remontées. Les plus pertinentes seront remontées aux intervenants. Elles seront posées à la fin de leurs interventions, pardon. Et pour les questions qui ne seraient pas sélectionnées, on va les collecter et on les renverra aux intervenants a posteriori et on essaiera, comme nous l'avions fait pour la précédente session, d'avoir des réponses donc écrites a posteriori à toutes les questions. Et les réponses seront diffusées. Merci du coup de poser vos questions sur ce canal dédié et de réserver le chat, qui est à peu près au même endroit, pour les éventuels problèmes techniques. Les collègues du CTIFL, notamment Sophie Lang, qui gère la partie logistique de ce webinaire, sont là pour vous aider en cas de problème, en particulier de connexion, de son, etc. Donc après le premier webinaire de décembre qui concernait la gestion des buis agresseurs et des adventices, nous allons aborder aujourd'hui des problématiques plus orientées aval et marché, avec des questions donc de marché, de qualité au singulier ou au pluriel, et de post-récolte. L'après-midi tournera autour de trois sessions différentes. Une première qui concernera donc le marché et la commercialisation des légumes bio, avec un volet introductif sur des chiffres clés de la production et de la consommation de légumes par Xavier Vernin du CTIFL, suivi par un point sur les modes de conditionnement des légumes bio dans la distribution et l'impact des futures évolutions réglementaires en matière d'emballage, en particulier d'emballage plastique, sur le conditionnement, par Arnaud Magnon et Valérie Mérandet, également du CTIFL.
Et pour finir cette première session, il y aura un focus plus prospectif sur les aspects technico-économiques d'une production en fort développement ces dernières années, la patate douce, par Maxime Davy et Arnaud Magnon, donc du CPGFL. Donc, après cette première session, il y aura une petite session de questions. La deuxième session commencera après la transition qui aura été initiée par la présentation sur la patate douce. Ça fera le lien du coup avec la seconde session plus technique qui concernera la conservation et le post-récolte. Elle abordera en particulier des problématiques de conservation et des modalités de gestion de la conservation dès la culture ou en post-récolte pour deux cultures relativement impactées par des problématiques de post-récolte, que sont le potimarron d'une part et l'asperge d'autre part. Après une brève introduction sur l'historique des différents travaux sur le potimarron dont je me chargerai, c'est Patricia Sanvincente du CTIFL qui présentera des résultats d'essais, en particulier sur les modalités de traitement à l'eau chaude, sur l'amélioration de la conservation de ces deux légumes. Donc, une nouvelle session de questions sera organisée à la suite de ces présentations et nous terminerons ce webinaire par une session sur la thématique de la ou des qualités des légumes en abordant le lien entre la conduite culturelle du melon, incluant choix variétal, itinéraire technique, mode de conservation et la qualité du melon, par Claire Le Sourd-du-Moulin, donc de l'unité maraîchage de l'INRAE d'Alenia. Et on terminera avec une présentation sur les modalités d'évaluation multicritères de la qualité, des qualités de variétés paysannes, avec un focus sur la tomate en particulier par Camille Vindras de l'ITAB. Une nouvelle session donc, de questions sera organisée à la suite de ces deux présentations. Donc, je vous remercie d'ores et déjà les intervenants pour leur contribution et les éclairages qu'ils vont pouvoir donner sur ces différents points. Et je laisse la parole d'ores et déjà donc, à Xavier Vernin qui va nous donner quelques chiffres clés de la production et de la consommation de légumes biologiques. Si Xavier veut bien monter sur scène pour nous rejoindre. Je suis. C'est parfait. Bonjour. Bonjour à tous. Ma présentation va s'intéresser tout d'abord à la production, puis au marché et enfin à la consommation. Pour la production, cette restitution s'appuie essentiellement sur les données de l'Agence Bio et celles du panel Kantar. Alors, au niveau agricole, toute production confondue, la bio, c'est aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'hectares pour près de 50 000 exploitations. Les deux graphiques à votre gauche sont représentés les surfaces et les dénombrements d'exploitation, le tout en milliers. Sur 10 ans, les surfaces ont triplé. Donc, la part du bio dans la production, dans la SAU, pardon, d'après l'Agence Bio, est désormais de 8% contre un peu plus de 2% en 2009. Dans le graphique de gauche, du dessous, on peut vérifier que la production des fruits et légumes suit à peu près la même dynamique que l'ensemble agricole. Alors, que dire de ces progressions comparées à celles du marché alimentaire, comme on peut le voir dans le graphique de droite? En données moyennes sur cette décennie, les évolutions des surfaces comme celui du marché sont assez proches. La croissance du marché reste toujours un peu supérieure à celle de l'ensemble agricole. Néanmoins, ce delta est beaucoup moins important que celui observé lors de la précédente décennie 2000-2010, où sur cette période, le marché triplait tandis que les surfaces agricoles étaient multipliées par deux à peine. Intéressons-nous maintenant à la production légumière. En haut à droite sont reportées les surfaces certifiées et en conversion des légumes frais ainsi que des surfaces de légumes secs. Cette production de légumes s'étend donc sur une superficie totale d'un peu moins de 60 000 hectares, auprès de 11 000 exploitations en légumes frais et un peu plus de 2 000 exploitations en légumes secs. La part des légumes frais sur la superficie totale est de 60%, soit un peu moins de 35 000 hectares. L'évolution calculée sur 10 ans montre des progressions un peu différentes, cela dit, entre les légumes frais d'une part et les légumes secs d'autre part. En effet, les surfaces de légumes frais ont bien triplé, alors que celles des légumes secs ont été multipliées par 8. Deux mots sur les légumes secs et les espèces concernées, que sont lentilles et pois chiches, essentiellement pour un ratio de 2/3, 1/3. Et j'ai noté un très fort développement des pois chiches ces dernières années. L'analyse de l'évolution des surfaces de légumes frais par espèce est en revanche plus compliquée puisque les données de l'Agence Bio sont des données de surface brute non développées qui ne rendent donc pas bien compte de l'évolution des surfaces des espèces à plusieurs rotations. En tout cas, pour les cultures de plein champ, on constate de plus fortes progressions pour des espèces mécanisables comme le
petits pois, haricots, oignons, carottes, ail, mais aussi courges. En termes de localisation de la production de légumes bio, les trois régions leaders pèsent un peu moins de la moitié des surfaces enregistrées au niveau national, que sont Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. J'ai noté que les principales hausses concernent les régions leaders, mais aussi Pays de Loire et Hauts-de-France. Ces deux dernières régions ont ravi la quatrième place en arrivant ex aequo suite au recul dans ce palmarès de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Concernant le marché, selon l'INSEE, le marché alimentaire, vin et champagne compris, est évalué à 187 milliards d'euros, comme on peut le voir sur le tableau. Tandis que le marché alimentaire bio, hors l'activité de la restauration, est estimé par l'agence bio à un peu plus de 11 milliards, ce qui représente une part de marché des aliments bio de 6%. Cette part du bio dans la consommation est un peu moins du double dans le cas des fruits et légumes frais, puisqu'elle équivaut à près de 10%. Ce tableau aussi permet de vérifier par les chiffres une appétence des consommateurs bio plus grande pour les fruits et légumes que le reste de la population. C'est un comportement bien connu des professionnels. On tombe sur une part des fruits et légumes dans la consommation alimentaire de 17% chez les bio et de 11% au niveau du reste de la population, au niveau global. À droite, enfin, figure la répartition du marché alimentaire selon les secteurs. Les fruits et légumes dans cette répartition représentent le deuxième poste derrière un ensemble assez large d'épiceries surgelées et traiteurs et arrive à quasi égalité avec la crèmerie qui comprend œufs et produits laitiers. On peut donc dire d'une courte tête, les fruits et légumes constituent le premier secteur sur le frais alimentaire. S'agissant de la consommation maintenant, on la voit à travers le panel Kantar qui mesure les achats de 12 000 ménages représentatifs de la population française pour leur consommation à domicile. Kantar nous renseigne à la fois sur les achats en bio pour un ensemble fruits et légumes et un ensemble 15 fruits et légumes, dont 9 légumes, toute origine confondue, avec le détail par espèce. En raison d'une année très atypique, l'année 2020, je vous propose de commenter les évolutions sur la base de données moyennes pour la période comprise entre 2015 et 2019. Alors, sur cette période, les quantités achetées par les ménages ont augmenté de plus de 20%, tandis qu'en conventionnel, les achats stagnaient au mieux. Cette progression des quantités achetées en bio découle d'un élargissement de la clientèle bio ainsi que d'une hausse des fréquences d'achat pour ces produits bio. À noter enfin l'écart de prix entre le bio et non bio qui demeure. Cet écart depuis 2015 s'est un peu réduit en raison d'une plus forte hausse des prix du conventionnel que du bio. Cet écart est un peu supérieur en moyenne à plus de 50 centimes d'euros du kilo. Comment se compose la gamme légumes bio dans le périmètre des espèces suivies par Kantar? Dans le graphique de gauche est représenté le poids de chacune des espèces, les unes par rapport aux autres, dans une version bio et non bio. Sur cette base, on voit que le trio carottes, tomates, courgettes représente 60% des dépenses et des quantités achetées de légumes bio. La comparaison avec le conventionnel montre quelques différences, en particulier la place plus importante pour la carotte et moins de la tomate ou du melon et de la salade. Sinon, la répartition des espèces dans la gamme légumes est à peu près similaire. La part du bio progresse partout, sauf en salade. Cette part avoisine les 20% en carottes, comme on peut le voir sur le graphique de droite. Pour une majorité d'espèces, néanmoins, la part du bio est égale ou supérieure à 10%, en dehors des situations de production plus complexes où cette part est inférieure à 10%, comme la tomate, la salade et le melon. Le différentiel de prix entre bio et non bio, on l'a déjà dit, était en moyenne bien supérieur à 50 centimes d'euros. Ce différentiel varie selon les espèces et notamment entre 40 centimes d'euros pour le chou-fleur et plus d'un euro 10 le kilo de la tomate. Alors après, les prix des chou-fleurs et de salade apparaissent comme les prix les plus proches du prix conventionnel. Comment expliquer cette situation? Est-ce lié à des périodes de production de bio où l'offre est la plus abondante? Des productions où la maîtrise des volumes en bio est plus compliquée, contrairement à des productions de légumes de conservation, je pense à la carotte, l'oignon. La répartition des achats selon le circuit indique que la part des spécialistes est bien plus importante en bio qu'en non bio, et cela aussi bien pour l'ensemble fruits et légumes que l'ensemble neuf légumes. Ce rapport entre circuit de la grande distribution et circuit des spécialisés traditionnels est à peu près équilibré en bio, alors qu'il apparaît clairement l'avantage des généralistes sur le conventionnel.
a remarqué que l'évolution sur 10 ans montre que le rapport entre ces deux catégories de circuits a beaucoup changé. Il était en bio sur un ratio quasi inversé à celui observé en conventionnel. Selon les circuits, les comportements des clients diffèrent. Les ménages en GMS sont plus nombreux à acheter des fruits et légumes, mais en achètent pour des quantités moindres. Tandis que les foyers qui achètent des fruits et légumes bio sur les marchés ou dans les magasins alimentaires spécialisés bio en achètent un peu plus fréquemment et pour des quantités par acte plus élevées. Donc, en global, les niveaux moyens d'achat sont deux fois plus élevés en circuit traditionnel qu'en GMS. À partir des catégories socio-professionnelles, on peut faire ressortir les critères les plus différenciants entre les ménages sous et suracheteurs de produits bio, qui sont ces critères, l'âge, le revenu, la composition du foyer. On peut dire les foyers suracheteurs de fruits et légumes bio sont localisés principalement dans le sud-est, centre-est et régions parisiennes. Le profil type, ce sont des couples âgés de plus de 50 ans qui bénéficient d'un fort pouvoir d'achat. Les professions les plus représentées sont essentiellement des cadres supérieurs, professions intellectuelles et retraités. À l'inverse, les sous-acheteurs se retrouvent plutôt parmi les jeunes, les classes de revenus modestes, les personnes vivant en commune, dans des communes rurales, les personnes habitant dans des régions nord-est et centre-ouest. Le profil légumes bio est peu différent de ce profil acheteur de fruits et légumes bio. Dernière diapo, difficile de terminer ce panorama sans évoquer cette année atypique que nous venons de rencontrer, à savoir l'année 2020. Sont représentées sur ce schéma l'évolution mensuelle des quantités achetées, des 15 fruits et légumes bio achetés par les ménages et suivis par le panel, en particulier pour les deux dernières années, 2019 et 2020. Entouré en rouge, les effets sur les achats des ménages, des confinements et autres mesures pour lutter contre la pandémie. La hausse des achats résulte d'une modification des habitudes d'achat des consommateurs, et en l'occurrence un report d'une consommation habituelle en restauration vers la consommation à domicile. Ce surcroît de consommation s'observe lors du premier confinement, mais aussi à l'occasion du second, en particulier sur les mois de novembre et de décembre. À noter néanmoins que ce surcroît de consommation a concerné les fruits et légumes bio, certes, mais aussi l'ensemble des fruits et légumes. Merci pour votre attention. Merci Xavier. On va pouvoir passer la parole donc à Valérie Mérandet et Arnaud Magnon qui vont prendre la suite pour parler de mode de commercialisation, de conditionnement et d'emballage. Je vous rappelle, en attendant l'arrivée d'Arnaud, que vous pouvez poser vos questions, via le menu dédié de l'application Livestorm. Arnaud, c'est à toi. Bonjour, donc je suis en place, Arnaud Magnon, je travaille au CTIFL, je suis formateur et consultant pour les entreprises de la filière, plutôt spécialisé sur les problématiques de distribution. Alors, je vais faire référence pour vous parler d'assortiment, de tendance de présentation et de conditionnement, à une étude qui a été portée par le CTIFL de 2019 à 2020, d'analyse de l'offre en point de vente. Nous avons effectué près de 6000 relevés sur une année dans 1500 points de vente différents, visant à qualifier de manière assez précise les assortiments présents dans les différents circuits de distribution physique, magasins qui commercialisent des fruits et légumes frais. Alors, dans un premier temps, on va parler de la présence de l'offre légumes bio dans les différents circuits étudiés. Donc, l'ensemble des circuits de distribution de fruits et légumes frais commercialise aujourd'hui des légumes bio. Le taux de détention auquel je fais référence, c'est donc le pourcentage de points de vente qui propose au moins une référence de légumes bio dans leur assortiment. Alors, si on regarde sur les circuits spécialisés de type marché, primeur, et grandes surfaces frais. Alors, on a un chiffre sur les marchés de 17%, mais qui est plutôt lié au fait que sur ce type d'entreprise, c'est plutôt le nombre d'entreprises qui vendent des produits bio, parce qu'on a plus rarement des points de vente sur les marchés qui commercialisent et des produits conventionnels et des produits bio. On note toutefois chez les primeurs spécialisés près d'un magasin sur deux qui commercialisent aujourd'hui des légumes bio. Évidemment, 100% des spécialistes bio commercialisent donc les légumes bio. Ensuite, sur les circuits plus généralistes, dès la proximité, donc des magasins qui sont entre 120 et 400 mètres carrés, on dépasse les 60% de points de vente qui proposent une offre de légumes bio. Et dans le format supermarché, à partir de 400 mètres carrés,
on est à 90, entre 90 et 95% quasiment l'ensemble du parc qui va proposer au moins une référence donc de légumes en bio. Alors, si on s'intéresse à la taille de l'assortiment proposé, donc la référence, sont les spécialistes bio qui proposent en moyenne sur l'année près de 44 références de légumes en permanence. Et on a donc un assortiment qui se veut proportionnel à l'assortiment global proposé par les points de vente. On se situe en fonction des circuits autour de 15% de l'offre en nombre de références de légumes proposées en légumes bio. Alors, on va s'intéresser pour aller vers la question de la présentation et du conditionnement à la part de l'offre préemballée dans les différents circuits de distribution. Là aussi, de manière assez logique, on retrouve un fort trop de présence de l'offre en vrac dans les circuits spécialisés traditionnels fruits et légumes et les produits bio, et un taux qui va être progressivement augmenté chez les généralistes avec près de plus de 90% de l'offre conditionnée, préemballée ou présentant un sticker qui sera présent dans ces circuits généralistes. Près de 80% donc pour l'ensemble de la grande distribution, en comparaison à une offre globale fruits et légumes qui est préemballée dans l'ordre de 50%. Donc on l'expliquera par la suite, évidemment un assez fort taux de produits préemballés dans les circuits généralistes, un taux qui pourtant et régresse sur les plus gros formats. On verra aussi pourquoi les hypermarchés présentent un taux de préemballé plus faible que les supermarchés. Si on s'intéresse au type de conditionnement et à leur répartition, là, le graphique que vous pouvez voir, c'est un pourcentage de l'ensemble des références de légumes bio qui ont été relevées dans tous les circuits de distribution. Donc 40% des références qui ont été relevées sont en vrac, 17% en barquette, 3% en botte, 12% filet, 2% film, pièces, sachets. On retrouve les mêmes types de conditionnement que pour l'ensemble des fruits et légumes, avec des formats différents. Alors, vrac ou préemballé dans les points de vente, quels enjeux? Dans des obligations d'une part réglementaires pour les points de vente, lorsqu'on commercialise un produit bio préemballé, il n'y a pas de notification ou de certification nécessaire pour le commercialiser, ce qui simplifie les choses pour le point de vente. Cette certification arrive à partir de 10 000 euros d'achat de fruits et légumes bio en vrac par an. Donc, dès qu'on veut commercialiser des produits en vrac, on est assez rapidement amené à être certifié. Et des contraintes d'organisation dans le point de vente, puisqu'un besoin d'isoler les produits bio dans le rayon pour éviter les confusions et les mélanges avec les produits conventionnels en vrac. Et pour le point de vente, un risque de démarque et de perte en valeur accrue en libre-service. Ce qui peut expliquer ce fort taux préemballé dans les circuits généralistes de distribution. Pour autant, on constate une tendance à souhaiter proposer une offre de légumes et de fruits en vrac, en bio, dans les points de vente de distribution généraliste. De plus en plus de corners bio sont installés dans les points de vente, avec une pesée dédiée. Et dans le même temps, le développement d'une pesée avec les contenants des clients pour aller au bout de la démarche et répondre à des attentes consommateurs de produits moins emballés. Cette solution s'adapte plus difficilement, évidemment, dans les plus petits formats de points de vente. Et c'est pour ça qu'on retrouve finalement un taux de préemballé légèrement plus faible dans les grands hypermarchés qui peuvent organiser leurs rayons de cette manière. Alors, en résumé, et pour passer la parole à ma collègue Valérie Mérandet qui va aborder le sujet des types de préemballés, et notamment en perspective de l'impact de la loi AGEC sur le type de conditionnement, l'offre fruits et légumes bio, c'est tout de même 60% de l'offre bio qui est préemballée, et 90% de ces produits préemballés sont sur des formats inférieurs à 1,5 kg, qui est, on le verra, la limite qui a été fixée pour la disparition de l'usage du plastique dans les emballages. Donc voilà pour moi, et je vais donc passer tout de suite la parole à ma collègue Valérie qui va vous en dire un petit peu plus sur ce sujet.
Merci Arnaud pour cette introduction à ma présentation. Donc, bonjour à tous, Valérie Mérandet du CTIFL, Unité CITAR. Je vais vous présenter le contexte réglementaire qui va définir prochainement les usages et l'emploi des emballages dans le secteur fruits et légumes et les quelques solutions techniques qui commencent à se profiler. Alors, pour faire un point sur ce contexte réglementaire, hein, comme Arnaud vient de le dire, le 10 février 2020 a été promulguée une loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, dite loi AGEC, qui concerne les fruits et légumes dans deux de ses articles. Alors, le premier, c'est l'article 77, qui mentionne que la vente au détail des fruits et légumes en conditionnement plastique inférieur à 1,5 kg sera interdite à partir du 1er janvier 2022. Alors, plusieurs notions derrière cela. Non seulement cet article ne va concerner que les fruits et légumes frais non transformés, donc à savoir hein, les fruits et légumes bruts dits de première gamme. Par rapport au conditionnement plastique, hein, le mot plastique est important, les matériaux non plastiques seront donc les seuls autorisés et ceux-ci sont définis comme étant constitués de polymères naturels non chimiquement modifiés. Donc, c'est une définition assez pointue qui a été donnée et qui est issue de la directive Single Use Plastic Directive européenne de 2019 et dont on va reparler après par rapport à ces types de matériaux. Et puis, un troisième point important aussi, c'est qu'un décret est en préparation et il va paraître très prochainement, dans lequel sera établie une liste de fruits et légumes exemptés à plus ou moins long terme par rapport à cette interdiction, sur la base de la sensibilité des fruits et légumes lors de leur vente en vrac à l'étal dans les points de vente. Alors, le deuxième article relatif aux fruits et légumes dans cette loi AGEC est l'article 80, qui annonce également, à la même date, donc au 1er janvier 2022, la fin des étiquettes sur fruits et légumes. Alors, les étiquettes sur les petits stickers apposés, comme vous le voyez sur les photos, des petites étiquettes qui seront donc interdites, sauf si elles remplissent deux conditions. Il faut qu'elles soient désormais compostables domestiquement et constituées de matières biosourcées pour tout ou partie. Alors, le compostage domestique est défini particulièrement par des normes. Hein. Il y a des organismes certificateurs qui peuvent évaluer les matériaux. Et puis, le fait que les matières soient biosourcées, issues de matières biosourcées, ça veut dire que les matériaux constitutifs de l'étiquette, sont issus de ressources renouvelables vivantes, soit du monde animal, végétal ou microbien. Donc, pour faire un bilan, un panorama global des solutions d'emballage, que ce soit des barquettes ou des films existants sur le marché, vous les connaissez probablement à peu près toutes, enfin, j'imagine, hein, en tout cas pour la première ligne des matières pétrosourcées, celles que l'on appelle classiquement les plastiques, hein, que ce soit le PET, le polystyrène, les polypropylènes, etc. pour les sachets. Et puis, les autres matériaux d'origine plutôt biosourcée, hein, que vous connaissez, le bois, les celluloses, les cartons. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez moins, les barquettes transparentes en amidon de maïs, le PLA, ou alors encore des films que l'on voit se développer, enfin, que l'on voyait se développer, des films plutôt transparents, voire semi-transparents, en cellulose de bois, en amidon de maïs également, ou en matériaux composites mixtes, à la fois biosourcés et pétrosourcés. Les définitions actuelles telles qu'elles sont pressenties risquent d'être plus impactantes que ce que l'on pouvait imaginer au début, puisque la notion de plastique fait référence à des matériaux naturels, chimiquement modifiés, c'est-à-dire toute la première ligne de matériaux pétrosourcés, ça, on imaginait bien qu'ils allaient disparaître, mais ils font référence aussi à des matériaux issus des bioressources, tels que le PLA, comme je vous l'ai dit, et les films en cellulose de bois ou autre, semi-transparent, puisqu'il y a apparemment une certaine transformation des celluloses pour devenir transparentes. Et point d'attention également, dès lors qu'il y a un faible revêtement interne dans les barquettes carton ou cellulosiques
un revêtement plastifié, hein, qu'il soit issu des pétro-ressources ou des bioressources, même en très faible dose, a priori, ces barquettes devraient être interdites. Donc, tout cela sous réserve des définitions officielles et des exemptions de produits, définitions qui vont très prochainement être rendues publiques. Donc, par rapport à la veille technique sur les innovations et les matériaux que l'on a pu observer qui rentreraient dans le champ de la loi et qui seraient autorisés, on a pour les filets et films d'emballage des papiers plutôt ajourés, des papiers type craft, assez résistants et supportant des charges importantes de produits, des papiers et fibres de cellulose avec des fils tissés, vous l'avez au milieu de la diapositive, ou des films semi-transparents cellulosiques à votre droite. Mais pour ceci, cela nécessite encore un rapprochement avec le fabricant pour vérifier vraiment si il y a un petit traitement chimique. Donc, c'est encore en prospection. Là, pour ce qui concerne les barquettes en carton, bois et cellulose, j'imagine que vous les connaissez. Que ce soit le carton de pré-emballage ajouré ou étiqueté avec des rabats de hanse, des cartons à base de résidus de tomates, de palmiers thermoformés, de bois, ou de cellulose moulée brute, telle qu'indiquée en bas à gauche de la diapositive, qui correspond à des barquettes de type boîte à œufs, ou cellulose moulée lisse, qui est un visuel un peu plus, un peu moins brut justement et qui est plus intéressant peut-être pour un joli aspect de la barquette. Et vous avez aussi toute une série de types de barquettes un peu innovantes issues de résidus de culture tels les pulpes de canne à sucre, pulpes de bois ou de coton. Des autres solutions de marquage qui se dessinent, notamment bon, les étiquettes et stickers, on en a parlé tout à l'heure avec l'article 80. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas sur le marché de stickers aptes au compostage domestique. Seules des solutions aptes au compostage industriel sont sur le marché, mais ne remplissent pas les conditions voulues par la loi. Donc, pour l'instant, on est encore en recherche de solutions. Il existe des solutions de marquage au laser et des solutions de marquage à l'encre alimentaire. Mais là aussi, attention, il n'y a pas encore de solution apte pour le bio. Potentiellement, dans l'avenir, des choses seront peut-être développées. Pour faire une synthèse de tout cela, nous avons mené des études au CTIFL sur ces sujets que vous retrouverez sur le site internet. Il y a une note de synthèse emballage en libre accès et puis des articles info CTIFL à la fois sur les vocabulaires et définitions de toutes ces terminologies que j'ai employées aujourd'hui, les perceptions des consommateurs aussi face à ces nouveaux matériaux de barquettes et de films et des résultats d'essais techniques sur la tenue des produits au cours du circuit commercial. Je vous remercie de votre attention. Merci Valérie. Nous allons maintenant passer la parole du coup, à Maxime Davy et Arnaud Magnon qui vont nous parler de patates douces. Bonjour à tous. Donc, Maxime Davy, détaché. Maxime, on t'entend très mal. Vous m'entendez mieux là ? Non. Là, vous m'entendez mieux ? Parfait. Ok, excusez-moi. Donc, Maxime Davy, je suis expérimentateur détaché sur une station en Bretagne Nord. Donc, la patate douce française bio, la rencontre d'un potentiel technique et d'une opportunité de marché. Il est vrai que la patate douce, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, c'est un légume qui a le vent en poupe, c'est un nouveau légume, et il y a des nouvelles opportunités de production en Bretagne, en France généralement. Et donc, on va vous parler de ça avec Arnaud. Donc, pour introduire le sujet, je voulais vous faire part de différentes citations que j'ai pu entendre lors d'échanges avec différents interlocuteurs de la filière. Donc, tout d'abord, des réflexions plutôt positives. Hein. Le potentiel de rendement de la patate douce est bon chez nous, les enfants adorent ça, le potentiel de marché est énorme, moi j'y crois. Des réflexions plutôt négatives, ça ne marchera jamais, tu as vu le prix de l'importation ? Le brocoli, ça paye mieux, le risque de tout perdre est bien trop important. Et des réflexions ou des interrogations un peu plus mitigées. Ça se vend cher, ça, les plants sont trop chers,
L'irrigation, c'est important. Comment ça se conserve? Enfin, c'est un truc de circuit court. On entend tout. Finalement, on peut regrouper toutes ces interrogations et toutes ces affirmations sous deux grandes questions. La première question est: quel potentiel technico-économique de la production de patates douces bio en France? Ça revient à se poser la question du potentiel de production, mais aussi du coût de production. Et la seconde question, c'est: quel potentiel de marché? Comment je peux valoriser la patate douce? Est-ce qu'il y a une forte offre? Est-ce qu'elle intéresse beaucoup de gens? Voilà. Donc, je vais commencer par vous donner les éléments permettant de répondre à la première question, et Arnaud suivra pour répondre vous donner des éléments pour la seconde question. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de potentiel technico-économique, on s'intéresse au rendement potentiel d'un côté et au coût de production. Le coût de production de la patate douce a été estimé entre 2 et 2,50 euros par mètre carré, d'après une expérimentation qui a été réalisée sur la station Terre d'Essai en Bretagne. Ça peut varier légèrement en fonction des régions, mais globalement, ces 2 euros à 2,50 euros a l'air assez représentatif de ce qu'on peut faire en France actuellement. À titre de comparaison, c'est 2 à 2,50 euros par mètre carré, c'est énorme en production maraîchère. À titre de comparaison, on estime une carotte à 60 centimes à 1 euro par mètre carré et un poireau autour de 1,60 euros. La durée de cycle de la culture est de 100 à 140 jours et le rendement potentiel commercialisable se situe entre 2 et 3 km², ce qui est un bon rendement, sachant que les rendements bruts peuvent être de 5 à 7 km². Donc, un petit mot sur le calendrier et sur le cycle de culture. La culture se plante en avril-mai, se récolte en septembre-octobre. On a entre ces deux phases trois phases de production distinctes. On a la phase de reprise, la phase de développement végétatif, une phase de tubérisation et une phase de conservation après la récolte. Et donc, pour qu'on puisse ensemble apprécier ce potentiel technico-économique, je vais, pour chacune des grandes étapes de l'itinéraire technique, exposer les éléments techniques qui permettent soit d'atteindre ou de maintenir le rendement potentiel, soit de limiter les coûts de production. Pour ainsi dire, en fait, je vais vous donner les éléments techniques qui permettent d'atteindre une culture compétitive. Alors, tout d'abord, la plantation. Alors, quels sont les points clés, menaces et voies d'amélioration qui permettent à la fois de conserver ce potentiel de production, voire l'améliorer, et réduire les coûts de production? Il faut savoir que le post-coût de plant pour la production de patates douces est énorme. Ça représente 50% des charges. En gros, un plant de patates douces en ce moment, cette année, on peut l'avoir entre 45 et 50 centimes en bio. Et on plante environ à 25 000 plants hectares. Donc, ça fait un coût de l'ordre de 11-12 000 euros de l'hectare. C'est énorme. Donc, une façon de réduire les coûts de plantation et de s'intéresser à la production de plants à la ferme. Donc, c'est une piste qui est en ce moment explorée sur la station Terre d'Essai. Donc, sur la photo qui est sur la gauche, on peut voir un tronçon de tige de patate douce qu'on va venir bouturer. Donc, cette technique est en cours d'évaluation sur la station. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, il faudra revenir vers nous, vers la station. Une autre façon de réduire le coût des plants, c'est tout simplement d'en planter moins, ou autrement dit, c'est d'optimiser la productivité par plant et non par mètre carré. Donc, de même, sur la station Terre d'Essai, des expérimentations sont en cours où on va essayer d'évaluer la densité de plantation optimale d'un point de vue technico-économique. Donc, je ne vais pas vous donner les réponses parce que de toute façon, en fonction du contexte pédoclimatique et technique dans lequel vous êtes, cette information va vous servir à rien, à part si vous êtes en Bretagne. Le point là qui est important à prendre en tête, c'est qu'il est nécessaire pour vous, avant de vous lancer sur la patate douce et pour atteindre un équilibre technico-économique, de vous renseigner et d'expérimenter sur la densité optimale. Un autre point important lors de la plantation, c'est la qualité des plants. Il faut savoir que les racines qui sont présentes dans la motte que vous plantez sont les racines qui vont être commercialisées à la fin. Si vous avez des plants de qualité médiocre, des racines qui ont chignonné ou des racines qui sont peu vigoureuses, vous risquez de bien entamer votre potentiel de production. Enfin, le dernier point important au moment de la plantation, c'est le choix de la variété. Ça paraît évident, mais ça fait pas mal de le redire, il faut que vous choisissiez des variétés qui sont adaptées à votre contexte pédoclimatique. Là, ici, encore une fois, un exemple d'une expérimentation qui a été faite sur la station, où on a analysé 9 variétés, et sur les 9, on en conseille 3. 3 sont passables, et 3, au contraire, sont plutôt non conseillées pour la production de patates douces dans notre contexte pédoclimatique. Donc, encore une fois, pour
atteindre le potentiel technico-économique, il faut que vous vous basiez sur des expérimentations locales, ou du moins que vous ayez pu expérimenter vous-même les variétés les plus adaptées. On passe à la phase suivante, donc la reprise et le développement végétatif. Donc la patate douce, c'est une culture tropicale, elle a besoin de température et d'irrigation. Alors, concernant la température, on préconise la plupart du temps d'utiliser une protection thermique de type P19, comme la photo qu'il y a au centre en haut, ou de type tunnel nantais, comme la photo au centre en bas. Ces dispositifs sont utilisés au nord de la Loire. Donc, au sud de la Loire, a priori, d'après les échanges que j'ai eu avec plusieurs interlocuteurs de la filière, c'est pas nécessaire. Dans les zones au nord de la Loire, ça permet d'éviter le risque froid, parce que c'est une plante qui, pour une température de moins de 12 degrés, ne survit pas. Donc, sur une plantation précoce, c'est vraiment indispensable au nord de la Loire, et ça permet aussi de stimuler la production. L'irrigation est un autre facteur important, notamment pendant la reprise. La plante est très sensible au déficit hydrique, et un sol sec au moment de la plantation, ça peut être vraiment très préjudiciable pour la survie des plants. Donc pour ces deux points-là, il faut de même se référer à des expériences locales autour de chez vous pour savoir quels sont les éléments à mettre en place dans votre contexte. La gestion des ravageurs, donc on fait face à deux grands ravageurs en production de patates douces, c'est le topin, donc là, le petit ver qui sort de la patate douce, et les rongeurs, on peut voir sur la photo à droite là, une morsure de rongeurs sur la patate douce. Pas grand moyen de lutte existe en bio, d'ailleurs, ni en conventionnel. Là, la chose, les éléments techniques à mettre en œuvre, c'est plutôt choix de la parcelle et aménagement des abords parcellaires. Et le dernier point est la gestion des adventices. Donc, la patate douce met 3 à 5 semaines à reprendre. C'est une plante qui est feignante, donc est très sensible à l'enherbement. Une des façons de limiter cette compétition, c'est d'utiliser des paillages qui sont plutôt biodégradables pour faciliter la récolte. Ou sans paillage, certains producteurs le font. Mais dans ce cas-là, il faut être bien équipé en bineuse pour gérer les adventices. Dernière phase en culture, la tubérisation et la récolte. Donc, les points clés pour conserver son potentiel de rendement, c'est de bien caler sa date de récolte, parce qu'on va avoir tendance à attendre pour que nos tubercules grossissent le plus possible avant de les récolter. Sauf que ça, c'est un petit jeu risqué. Si on attend trop, on s'expose aux fortes précipitations. Et donc, on décale encore plus parce qu'on ne peut pas rentrer dans la parcelle pour récolter nos patates douces. Ensuite, arrive le froid et comme j'ai dit tout à l'heure, une température en dessous de 12 degrés est létale. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à plusieurs producteurs bretons il y a 2 ans. La photo à droite l'illustre. Là, on a des tubercules qu'on pourrit juste après la récolte à cause du froid. Un autre point important là pour réduire les coûts ce coup-ci, c'est la mécanisation de la récolte. Le poste main-d'œuvre pour la récolte représente un tiers des charges qui étaient de 2 euros à 2,50 euros, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, si on mécanise la récolte, on pourrait réduire fortement ce poste. Et donc, c'est vraiment important pour les producteurs qui sont sur des grosses surfaces. Et avec un machinisme adapté pour éviter de casser du matériel, comme vous pouvez voir sur la photo. Dernier point, la conservation. Donc, sur ce point-là, on manque pas mal de références techniques. D'ailleurs, on va y travailler au CTFL dans les années à venir, normalement. Les feuillages. Donc, 7 à 15 jours avant la plantation, on préconise d'effeuiller pour faciliter la récolte d'une part et améliorer la conservation. Donc ce point est à vérifier sur l'amélioration de la conservation. La cicatrisation, ou ce qu'on appelle curing, c'est une période pendant laquelle on expose la patate douce à une température de 30 degrés et une atmosphère saturée en humidité. A priori, ça permettrait d'améliorer sa conservation. On manque de références en France pour vérifier cela. Des travaux donc, sont prévus pour mieux caler ça sur les patates douces produites en France. Les conditions de conservation, là, ce qu'on sait, c'est que le frigo est à bannir pour la patate douce. Donc, surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre de la patate douce au frigo. Et enfin, un dernier point pour améliorer nettement la productivité, c'est le calibrage et le conditionnement. Parce qu'actuellement, en circulant notamment, les calibres commerciaux s'étendent de 150 grammes à 800 grammes la patate, et principalement 300-600. Si vous élargissez cette tolérance, et ben vous montez grandement votre potentiel de rendement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rendement brut peut aller jusqu'à 6 à 7 km². Et nous, on n'en vend que 50, entre 50 et 70% finalement, parce qu'on est hors calibre. La plupart de nos déchets sont hors calibre. Voilà. Donc pour conclure sur ma partie, on a vu qu'un équilibre technico-économique de la patate douce était atteignable.
Mais c'est une culture qui est onéreuse et risquée. Hein, 2,50 euros par mètre carré, c'est énorme. Mais avant de vous lancer, il y a de nombreux paramètres techniques à valider localement. Là, je pense à variété, densité de plantation, etc. Il faut adapter la mécanisation si on se lance sur des grandes surfaces. Et enfin, on manque encore de références sur le potentiel de conservation pour pouvoir vraiment assurer une conservation de qualité et arriver sur le marché un peu plus tard. Et donc, les données qu'on a acquises lors de nos différentes exploitations ont permis de mettre en place ce graphique que vous avez dans vos yeux. En fait, la courbe noire, c'est le point d'équilibre économique. En abscisse, vous avez le rendement. En ordonnée, vous avez le prix de vente. Quand vous êtes dans le rouge, c'est-à-dire que si vous faites un rendement, quand vous êtes dans le rouge, vous générez un déficit. Quand vous êtes dans le vert, vous générez un bénéfice. Donc, quand vous êtes dans le vert, vous êtes viable économiquement. On a identifié tous les points clés pour avoir un rendement qui permette d'être dans le vert. Par contre, l'autre point important, c'est le prix de revient, enfin le prix plutôt, le prix de vente, qui dépend, lui, du potentiel de marché. C'est là où je fais la transition avec Arnaud, qui va vous donner ces éléments permettant de préciser le potentiel de marché de la production de Peut-être. Merci. Arnaud, je te laisse prendre la main. Alors, je réactive mon micro. Rebonjour. Pour donner quelques éléments de réflexion supplémentaire sur le potentiel de marché de la patate douce, je vais refaire à nouveau référence à ce qui se passe au niveau de la distribution. Malheureusement, la patate douce fait pas partie des 60 espèces qui sont suivies par le panel Kantar en termes de consommation, de nombre de consommateurs. Donc, on peut difficilement estimer ses quantités achetées et son potentiel de progression. Pour autant, quand on s'intéresse à sa présence en point de vente, eh bien, on peut constater qu'elle est installée de manière assez bonne dans l'ensemble des circuits de distribution. On a près de 70% des circuits de commercialisation qui proposent une référence de patate douce, bio ou conventionnelle, hein, on parle de l'ensemble de l'espèce. On dépasse les 76 et les 80% dans les circuits qui proposent les assortiments les plus larges. À l'intérieur de cela, la patate douce en bio représente, donc les chiffres en vert, c'est le pourcentage de l'offre patate douce commercialisée en bio. Donc on a par exemple 36% des grands hypermarchés, 36% des patates douces commercialisées en hypermarché sont bio. Alors attention, sur ces chiffres, on parle bien du pourcentage de référence, c'est-à-dire d'étiquette en gros. On ne peut pas estimer les volumes qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une patate douce conventionnelle et une patate douce bio comptent pour un, mais parce qu'elles sont visibles dans l'enquête. Donc voilà, on parle vraiment de présence de l'offre en rayon et on n'est pas sur des questions de quantité, mais bien donc de présence. Donc la patate douce, c'est en passe de devenir un vrai basique de l'offre aux légumes et aussi un vrai basique en bio, puisque 85% des spécialistes bio proposent de la patate douce. On a un taux de présence bio qui est proche de celui de la carotte, mais inférieur à celui du potimarron, qui est parfois une espèce à laquelle on peut la comparer. Donc, en termes de présence sur les circuits de distribution, on peut dire que le potentiel est encore là, on n'est pas à 100%, mais on est quand même assez proche d'une grande diffusion. Ce qu'on peut constater, c'est que le développement variétal se met aussi en place. Dans les circuits qui ont les plus grosses offres de fruits et légumes, on peut commencer à avoir plusieurs références de patates douces dans un point de vente. Dans les points de vente qui vont proposer une conventionnelle et une bio, mais aussi chez les spécialistes bio, plusieurs variétés ou dans des points de vente ou dans d'autres points de vente conventionnels, plusieurs variétés avec voilà, différents types de couleurs de chair, de peau. Donc on a aussi un potentiel de segmentation avec la montée en connaissance de ce produit par les consommateurs. Alors, autre élément pour évaluer un potentiel de développement en termes de production, l'évolution de l'origine des produits présentés sur les étals dans les différents circuits de distribution. Alors, c'est une présence qui est faite sur le global patate douce.
conventionnel comme bio, mais on va retrouver exactement les mêmes indicateurs, en tout cas les mêmes points marquants si on s'intéresse uniquement à la patate douce bio. Le point marquant, c'est pendant la pleine saison de la production française, la répartition des origines, c'est qu'on a 60% des origines qui sont françaises. Donc on n'est pas à 100%. L'origine France ne couvre pas l'ensemble de l'offre en patate douce, qu'elle soit voilà, bio ou conventionnelle dans les mêmes proportions. Et puis, comme l'évoquait Maxime juste avant, la saison se termine assez rapidement sur février-mars, où l'import principalement européenne prend assez vite le relais. Donc, on pourrait imaginer qu'une présence prolongée de l'offre française pourrait permettre d'avoir une part de l'offre française dans la consommation plus importante. Alors, des éléments sur les prix moyens constatés au stade détail pour voir un petit peu le comportement du prix. Alors, on a un écart de prix qui est proche de l'écart classique entre conventionnel et bio, hein, qui est de l'ordre de 25%. Et on constate, si on compare les origines France et le prix origine France et le prix import, et bien on s'aperçoit que finalement, si il existe un décalage de l'import et vis-à-vis de la France en présence d'une offre française, finalement le prix de l'import va s'aligner petit à petit sur un prix moyen français lorsque l'offre disparaît. Et excusez-moi, du coup c'était mes derniers éléments sur ce sujet. Donc un produit qui est bien installé mais qui peut encore développer des consommateurs et développer un assortiment via la segmentation. Et une offre française qui a de la place à prendre sur le marché. Merci pour vos interventions à tous. Je vais demander à Xavier et Valérie de revenir nous rejoindre pour une petite séance de questions. Voilà, le temps qu'ils reviennent, je vais démarrer avec Maxime et Arnaud qui avaient la main. Première question, pourquoi on considère que, enfin, pourquoi ou comment la patate douce est devenue un basique de la consommation et de la production, alors que c'est une culture compliquée à produire? Vous avez la réponse. Alors, disons que en termes basiques, je considère que il est présent dans l'offre d'un grand nombre de points de vente. Après, sa disponibilité reste importante et puis le produit est attendu. Après, sur le lien avec les difficultés et le coût à produire, là j'ai moins d'éléments. Mais en termes de consommation et de distribution, en tout cas, c'est un produit qui est demandé. Après, ce que montrent vraiment nos exposés, c'est que il y a une demande forte de la patate douce. Après, nous, on essaye de produire de la patate douce française pour répondre à cette demande nationale. Mais on a bien vu la place de l'import dans le marché, quoi. Nous, au mieux, on représente 40% de la patate douce vendue en France et française. Au mieux, c'est 40% et sur 2 mois, quoi. Et donc, tous les autres mois de l'année, la patate douce qui est vendue en France n'est pas française. D'où le travail nécessaire sur la conservation, par exemple. Oui. J'ai un complément d'information. Tu parlais, Maxime, de l'importance de réduction de coûts de production, notamment en passant par du plan fermier. Il va sans dire que l'utilisation de plan fermier n'est possible que pour des variétés du domaine public. C'est ça. Et que du coup, ça se limite aujourd'hui à ces variétés-là. J'ai une question pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a une différence de coûts de production entre des variétés classique, type de celle du domaine public, donc type orangé, variété Beauregard par exemple, et des variétés qui seraient d'autres couleurs, violette, blanche. Pour l'instant, ça dépend de leur potentiel, mais par exemple, on a des variétés violettes qui ont même des niveaux de production supérieurs aux variétés orange, chair orange classique que l'on voit partout. Donc ça dépend vraiment des variétés. Mais oui, on peut avoir des variétés de diversification qui ont un potentiel de rendement meilleur, voire aussi bon. Dernière question sur la patate douce. As-tu des informations sur la température idéale de stockage de la patate douce? Ouais, là, sauf si Patricia me dira si je fais une erreur, mais
En gros, au-dessus de 12 degrés, c'est bien. Et entre 15 et 20, je crois que c'est... Mais justement, les travaux sont en cours sur le sujet et un article va paraître aussi dans la Société Eiffel où je crois que c'est la formation. Mais vous avez, pour les détails vraiment très techniques comme ça, à revenir vers nous directement. Et juste une précision, bio et conventionnel, il n'y a pas beaucoup de différence en patate douce parce que c'est les mêmes conditions de production quasiment. D'accord, merci. Je vais passer à des questions pour Valérie. Il y a des participants qui posent la question de l'origine de la matière première des barquettes. Est-ce que des barquettes à base de canne à sucre, par exemple, doivent être à base de canne à sucre bio pour pouvoir emballer des produits bio ? Là, je n'aurais pas forcément la réponse, mais ça me semble très intéressant de creuser le sujet parce qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il n'y ait pas de pollution chimique ou autre de résidus. Donc, je vais me renseigner, je répondrai plus tard. Mais c'est une bonne question. Autre question, quel est l'impact financier envisageable de l'obligation de réduction des plastiques en termes d'emballage? Donc, est-ce qu'on peut envisager une baisse de prix des barquettes en matériaux biosourcés qui sont aujourd'hui une fois et demie à cinq fois plus chères que l'emballage plastique? À court terme, j'ai malheureusement peur que ce soit l'inverse qui se produise parce qu'il y a une telle contraction du coût de la demande sur quelques matériaux type cellulose, papier, carton et autres, que j'ai plus l'impression qu'actuellement, les tarifs, les prix vont plutôt être encore plus à la hausse que ce qu'ils ne sont actuellement. Et je confirme qu'on est bien dans une fourchette de prix de l'ordre de 2 à 4, 5, 6 fois plus cher que le plastique. Le plastique, c'était la solution vraiment la plus économique. Et donc, je pense que dans les prochaines années, le temps que la loi AGEC se mette en place, les prix vont augmenter, mais petit à petit, avec probablement des ressources grandissantes, donc des forêts qu'il va falloir planter, etc., puisque la demande va être croissante, il faut espérer que ces prix diminuent, bien sûr. Mais sur du moyen-long terme, je pense plutôt. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'il y a des produits, des fruits ou des légumes pour lesquels on sent déjà qu'on va être dans une impasse du fait de cette réglementation sur les emballages plastiques? Les plus concernés par la loi AGEC, puisque le décret commence à se pressentir, il y a une sortie de cette semaine, il y a eu une sortie de la part du ministère de la Transition écologique sur un projet de décret qui est en ligne sur le site et donc en consultation publique. Et on voit que certains produits vont… tous les fruits et légumes vont être concernés. Finalement, il n'y aura pas d'exemption sur le long terme de ces emballages non plastiques, l'interdiction des plastiques, pardon. Et du coup, tous vont être concernés, mais ceux qui vont être interdits de plastique d'ici 2022, là, ça va être l'impasse pour eux de tout de suite, rapidement, tous les produits qui ont beaucoup, enfin qui perdent beaucoup d'eau, qui sont pré-lavés ou hydrocoulés ou autres, qui ont beaucoup d'humidité dans les papiers. Les papiers ou les cartons, ça risque d'être un peu problématique. Puisque, c'est voilà. Quatrième gamme, ce genre de choses, par exemple? Alors, la quatrième gamme est exemptée, elle n'a pas du D'accord. tout concerné. On n'est vraiment que sur les fruits et légumes bruts, okay. Première gamme, dit de première gamme. Parfait, merci. Question pour Xavier, pour terminer. Est-ce que dans les études Kantar ou de l'agence bio, il existe des informations plus précises sur les volumes et les surfaces de production orientées vers la vente directe et de même sur les volumes d'achat de fruits et légumes orientés vers la restauration hors domicile? Alors sur la vente directe, on n'a pas directement la surface, mais on a la Kantar fournit et l'agence bio fournit des part de marché de la vente directe. C'est des évaluations qui ne sont pas tout à fait identiques et pourtant là je voyais que la part de la vente directe dans les achats des ménages est à peu près équivalente entre les deux sources, autour de un peu plus de 10%, 11%. Si on ajoute les autres spécialistes, on monte jusqu'à 13% dans le cas de Kantar. Voilà pour la vente directe. S'agissant de la restauration collective, il y a
Il y a deux sources. Il y a Interfel qui avait fourni des éléments, Interfel Jira qui fournit des éléments chiffrés sur les achats de fruits et légumes en restauration collective et commerciale. Et dans son édition 2016, il avait fait des évaluations sur les achats en fruits et légumes bio. Et ils étaient arrivés à une estimation de 13 000 tonnes, soit à peu près 5% en fruits, un peu plus important, et 3% en légumes. Quand on regarde après les données de l'agence bio, le dernier rapport 2019, alors c'est deux sources différentes, mais bon, voilà, ils établissent leur volume à un peu plus de trois fois plus, autour de 35 000 tonnes de fruits et légumes. On est encore un peu sans doute loin du compte du taux des 20% d'introduction de produits biologiques tels que le demande la loi Egalim à partir de janvier 2022. Voilà, je n'ai pas davantage d'informations. Ok, merci. Mais je vous remercie tous. On va pouvoir conclure cette session de questions. Et je vous remercie de vos interventions, des éclairages que vous avez pu nous donner sur le marché et puis les perspectives sur la patate douce et sur les questions d'emballage. On va donc pouvoir passer à la session suivante qui va concerner la qualité, le post-récolte. Et je vais inviter Patricia San Vicente à me rejoindre. Il va être question de potimarron notamment. Voilà, la culture de potimarron a connu un fort développement depuis quelques années, soutenue par une forte demande, un peu ce qu'on observe aujourd'hui sur la patate douce. Et comme le disait Arnaud tout à l'heure, le potimarron bio représente aujourd'hui 38% des potimarrons qui sont proposés dans la distribution aujourd'hui. C'est une culture qui, alors contrairement à la patate douce, ne pose pas de problème majeur. La gamme variétale, même si elle est assez restreinte, est assez performante et il y a globalement peu de bio-agresseurs qui posent des problèmes majeurs en cours de culture. Mais l'augmentation de la demande pour ce légume a poussé les producteurs et les distributeurs à chercher, ce qu'on va chercher à faire aussi pour la patate douce, à allonger la période de commercialisation. Et les acteurs de la filière donc, cherchent des solutions parce qu'ils sont confrontés à une problématique de conservation à partir du milieu de l'hiver. Depuis 2013-2015, des travaux ont été initiés, notamment en Bretagne, à la station SEHBS à Kerplouze et à la Chambre d'agriculture du Finistère, notamment. Et les premiers essais qui ont porté, traditionnellement, on travaille d'abord sur ces aspects-là, donc sur les aspects variétaux. Les premiers essais ont permis d'identifier des types variétaux différents, potimarron de type vert, par exemple, ou quelques variétés orange avec une meilleure production, une meilleure conservation. Donc, ce qui a été développé dans un premier temps, mais le potimarron vert n'a pas forcément trouvé son public. Donc on travaille essentiellement aujourd'hui sur des variétés oranges, plébiscitées par les consommateurs. Et donc les analyses qui ont pu être faites ensuite sur ces stations et par ces acteurs ont montré qu'il y a un rôle quand même particulier des champignons dans les pertes en conservation, en particulier un champignon qui s'appelle Didymella. Et des travaux ont été engagés depuis 5 ans pour optimiser la conduite et la conservation des potimarrons en bio sur un certain nombre d'aspects dans un certain nombre de stations ou structures de développement, sur donc des aspects variétaux d'une part, sur la conduite, donc en travaillant sur des dates de semis, donc des semis plus ou moins précoces, des dates de plantation plus ou moins précoces, des dates de récolte, des stades de récolte plus ou moins précoces, l'utilisation de paillage ou l'absence d'utilisation de paillage. Il y a eu des travaux sur les modes de récolte, en particulier est-ce qu'il faut couper les potimarrons et les récolter directement pour les mettre en stockage ou les laisser sécher quelques jours au champ avant de les récolter. Il y a aussi des travaux sur les modalités de nettoyage des fruits qui pourraient moins blesser les fruits et bien sûr des travaux sur les conditions de stockage. Certains de ces éléments sont au cœur d'un projet qui s'appelle OptiPot qui a démarré en 2018. Qui implique un certain nombre de partenaires qui sont la Serail en Rhône-Alpes, le KT, donc SEHBS, la Chambre d'agriculture du Finistère en Bretagne, la Prel, le Pôle Légumes Région Nord et le CTIFL.
Et ces partenaires-là travaillent sur tous ces aspects-là. Et les premiers résultats des travaux sur la partie Auchan concluent à l'importance d'anticiper la récolte pour améliorer la conservation. Même si, bon, faut quand même trouver un bon compromis pour veiller à ne pas être en sous-maturité trop importante, au risque d'avoir vraiment une qualité gustative moyenne du produit final. Mais donc les partenaires là, continuent à travailler sur le sujet et voilà, le compromis n'est pas toujours évident à trouver. Donc les résultats du projet sont très très attendus et je pense qu'à la fin de l'année, il devrait y avoir des choses particulièrement intéressantes, en tout cas sur la partie conduite, à être diffusées. Certains résultats sont déjà disponibles sur les sites de ces partenaires, donc je vous invite à aller regarder de plus près pour optimiser la conduite de vos cultures de potimarron pour cette saison. Mais voilà, en complément de l'approche Auchan, le CTIFL, donc partenaire de Petit Pot, a travaillé sur une approche particulière de la conservation en travaillant sur l'impact de la thermothérapie à l'eau chaude sur la conservation du potimarron. Et donc c'est Patricia Sanvin-Santé qui va vous présenter ses résultats et elle interviendra également ensuite sur l'impact de cette même technique pour la conservation de l'asperge. Voilà. Donc, la thermothérapie, c'est un outil qu'elle va vous expliquer, qui est traditionnellement utilisé pour le traitement à l'eau chaude des bulbes, en particulier échalotes bulbies avant plantation, par exemple. Donc, je te laisse la parole, Patricia. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'ai le plaisir cet après-midi donc, de vous présenter une synthèse des expérimentations que nous avons menées sur la désinfection à l'eau chaude. Comme l'a dit Mathieu, donc, ce travail est à réaliser dans le cadre du projet OptiPot qui vient de vous présenter. Alors, tout d'abord, quelques mots, même si ça a déjà été un peu évoqué, hein, sur le contexte et la problématique dans lequel s'inscrit ce travail. Il faut savoir que le potimarron, ben, est un légume qui actuellement a beaucoup de succès en France, à la fois au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau des maraîchers, des différents bassins de production français, car c'est une culture, contrairement à la patate douce, qui est assez facile et qui ça permet donc aux maraîchers de pouvoir diversifier leur offre. Ça, c'est le côté plutôt positif. Donc, le côté plutôt négatif, on en a également, ça a été évoqué. Donc, c'est lié au fait que son développement, ben, est aujourd'hui très limité, du fait que des pourritures apparaissent donc pendant le stockage et qu'il est donc difficile de les conserver, en tout cas pour certains lots, au-delà de 3 mois, que ce soit en bio ou en conventionnel, puisque je ne fais pas la distinction. Donc, en fait, la maîtrise de la conservation sur des périodes allant jusqu'à mars, avril, est donc un enjeu actuellement économique majeur pour la filière et donc, par conséquence, c'est un défi à relever pour nous, expérimentateurs. Donc, dans ce contexte, nous avons mis en place des essais afin d'évaluer la thermothérapie donc appliquée en post-récolte pour limiter les pourritures. C'est une technique qui a fait depuis longtemps, a montré depuis longtemps son efficacité, puisqu'elle est utilisée sur différents types d'espèces de fruits et légumes en vue de désinfecter les produits. Les champignons visés pour le potimarron sont, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, Didymella brionnae et différentes espèces de Fusarium et de Colletotrichum. Donc, on avait un deuxième objectif dans cette étude, c'était par rapport au travail sur la thermothérapie, c'est de définir le meilleur couple température-durée de trempage afin d'avoir l'efficacité optimale et la désinfection optimale. Donc, pour cela, nous avons mené sur ces 2 dernières campagnes 4 essais avec la variété Orange Summer, qui a été cultivée durant les 4 années sur des parcelles de la station de la Serraille, donc dans le département du Rhône. Chaque année, nous avons récolté, fait 2 récoltes en fait, hein, entre fin août et mi-septembre. Et pour tous ces 4 essais, nous avons appliqué le traitement à l'eau chaude, donc par trempage, 2 jours après la récolte. Alors, pourquoi 2 jours? Parce qu'entre les deux, il y a eu la journée de séchage au champ et la journée de transport sur Saint-Rémy-de-Provence. À la suite de ces essais, donc, on a mis en conservation tous les potimarrons, qu'ils soient traités ou non, dans une chambre de stockage à 12 degrés et à environ 70% d'humidité relative.
Pendant toute la phase de stockage, les potimarrons traités à l'eau chaude et puis les potimarrons qui nous ont servi de témoins, qui étaient non trempés, ont été observés individuellement tous les 15 jours afin de déterminer le nombre de fruits commercialisables. Et également, nous les avons pesés tous les mois afin de vérifier les pertes d'eau. Alors, la mise en œuvre de la thermothérapie, ben, vous pouvez la voir sur les deux photos sur votre gauche. Donc, il s'agit de tremper dans des grandes cuves les potimarrons. Ces cuves étaient équipées de thermoplongeurs qui permettent de contrôler, de chauffer l'eau et après de la maintenir pendant tout le temps du trempage à la température ciblée. Donc, les températures que nous avons testées sont un petit peu différentes les deux années. Donc, la première année, nous avons testé deux températures, 57 ou 60 degrés, que nous avons appliquées durant une ou deux minutes. Et en 2020, nous avons gardé la modalité 60 degrés qui était apparue intéressante en 2019 et à laquelle nous avons rajouté la modalité 58 degrés durant 2 minutes et la modalité 62 degrés pendant 1 minute. Donc après le trempage, les fruits sont déposés dans des caisses pour séchage avant d'être mis en conservation selon les conditions que je vous ai expliquées précédemment. Alors, je vais vous présenter de manière synthétique les résultats que nous avons obtenus. Donc, c'est une synthèse faite sur les deux essais réalisés en 2019 et les deux essais qui sont encore en cours pour les récoltes de 2020. Bon, quelques explications déjà par rapport au code couleur que j'ai utilisé dans cette figure. Donc, en vert, vous avez représenté le pourcentage minimum de fruits qui sont commercialisables. Et en rouge, vous avez les pertes minimum, donc le pourcentage de fruits perdus. Alors, sur ce premier graphique, on a les résultats qui concernent les témoins après 3 mois de conservation complètement à gauche et à droite après 5 mois de conservation. Donc, si on s'intéresse tout d'abord au graphique le plus à gauche, à 3 mois de conservation, on voit que le pourcentage de potimarrons témoins commercialisables varie de 80% à 100% selon le lot. Donc, les 20% qui sont représentés ici par la zone assurée correspondent en fait à la perte que nous avons mesurée dans l'essai qui s'est le moins bien conservé. Après 5 mois de conservation, donc nous observons là que les pertes augmentent. Il ne reste que pour le lot qui s'est le moins bien conservé que 13% de fruits sains et commercialisables. A contrario, un autre lot s'était beaucoup mieux conservé et on avait jusqu'à 67% dans le cumul de la zone verte et assurée, 67% dont de fruits sains et commercialisables. Donc, dans ces essais, on confirme bien le constat que les professionnels faisaient jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 mois, la conservation du potimarron est délicate et qu'il peut y avoir surtout une très forte différence entre les lots. Maintenant, si on s'intéresse aux potimarrons qui ont subi le traitement à l'eau chaude. Donc là, j'ai pris les modalités pour lesquelles nous avons obtenu les meilleurs résultats. Donc, que ce soit 58 degrés ou 60 degrés pendant 2 minutes, c'était à peu près équivalent. Donc, je vous ai globalisé tous les résultats. Donc, après 3 mois de conservation, on note que le pourcentage de fruits commercialisables a varié de 98 à 100%. Donc, on a déjà là une petite vue d'amélioration par rapport aux témoins. Par contre, là où ça devient le plus intéressant, l'intérêt de l'eau chaude, c'est surtout après 5 mois de conservation, parce que comme vous pouvez le voir sur le graphique le plus à droite, le lot qui s'est le moins bien conservé après 5 mois, a encore quand même, malgré tout, 73% de fruits commercialisables et le lot qui s'est le mieux conservé a encore 100% de fruits commercialisables après 5 mois. Donc, ce qui est équivalent quasiment au résultat que nous avions après 3 mois sur les potimarrons témoins qui n'avaient subi aucun traitement. Hop.
Donc maintenant, si on passe sur le suivi des pertes de masse, donc là, je vous ai mis les résultats de 2020, on s'aperçoit que les traitements eau chaude ont eu un petit impact sur les pertes de masse, puisqu'en moyenne, les potimarrons qui ont été traités à l'eau chaude perdent en moyenne 3% de leur masse par mois de stockage, alors que les potimarrons témoins n'en perdent que 2,5%. Donc, ce sont des résultats que nous devons confirmer dans d'autres expérimentations, puisque nous n'avons qu'une année de recul sur ces résultats. Donc, en bilan, que faut-il retenir donc, de ces essais eau chaude sur potimarrons ? Ben, c'est que déjà que le traitement à l'eau chaude a permis de retarder l'apparition des pourritures et donc d'allonger la durée de conservation potentiellement de 2 à 3 mois. Ça, c'est le minimum, puisque pour les essais de 2020, ce que je vous disais, c'est que les potimarrons sont toujours en conservation. On a toujours un stock important et là, on en est déjà à 6 mois cette année. Nous avons vu par ailleurs que les meilleures efficacités obtenues étaient obtenues avec des températures assez élevées, hein, 58 degrés, 60, mais bon, c'est des choses que l'on retrouve également pour d'autres produits avec un temps de trempage de 2 minutes. Par ailleurs, enfin, les résultats perte en eau, hein, ce que je disais précédemment, ça sera des résultats qui seront à confirmer, voir si c'est préjudiciable, cette petite différence entre nos potimarrons témoins et les potimarrons qui ont été traités à l'eau chaude. Pour faire suite à cette étude, donc en fait, il est envisagé, hein, c'est de changer un petit peu de méthodologie, c'est-à-dire que là, on a dans nos essais à l'échelle expérimentale, on a traité les potimarrons par le mode du trempage, et on a la possibilité donc dès cet automne d'essayer le traitement à l'eau chaude, mais via cette fois un autre type d'application par le mode de douchage, puisqu'il peut être réalisé grâce à un équipement qui vient de nous être installé sur le centre de Saint-Rémy, la société Crovara qui avait déjà développé des équipements industriels dans le domaine des fruits. Donc, il s'agira donc de recommencer un petit peu le travail qui a été fait pour le trempage, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier si cette méthode d'application elle est aussi efficace sur potimarron que le trempage. Et il faudra également qu'on reteste différents couples temps température qui seraient le plus adaptés pour ce mode d'application. Voilà, c'est là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Patricia. Si tu peux enchaîner sur ta présentation sur l'asperge, on fera une session de questions à la suite. OK. Merci beaucoup. Donc, cette fois, je poursuis la session. Donc, on est toujours sur la technique du traitement à l'eau chaude, mais cette fois, alors, elle n'a pas été appliquée comme une technique de désinfection, mais comme une solution pour limiter l'apparition du rosissement de l'asperge blanche en post-récolte. Alors, chez l'asperge, le rosissement est dû à la production de pigments qu'on appelle des anthocyanes. Ces pigments, ils agissent comme la mélanine, en fait, pour le règne animal, comme ils servent de protection pigmentaire. Et il permet à l'asperge de se protéger à la fois des UV nocifs et aussi également pour lutter contre le froid. Donc, certains facteurs environnementaux, comme par exemple la lumière, les basses températures, certains stress nutritionnels comme les carences en phosphore ou encore hydriques, favorisent leur synthèse. Commercialement, au-delà d'une certaine limite admise, le développement de la coloration rose est préjudiciable. C'est un critère en fait de dépréciation de la qualité de l'asperge. Et selon le circuit de commercialisation, cela engendre des refus de clients, des déclassements de produits et donc des pertes de prix de l'ordre de 5 à 15% pour le producteur. Alors, pourquoi avoir choisi de travailler l'eau chaude sur un produit qui semble un peu fragile? En fait, notre étude a été basée sur le constat qu'il y avait dans différents travaux de recherche, elle a montré que la synthèse des anthocyanes, elle pouvait être limitée par l'application d'eau chaude.
Et certains travaux qui ont été réalisés par des équipes de recherche aux Pays-Bas et en Grèce avaient montré que sur asperge blanche, il y avait un intérêt pour limiter le rosissement. Donc, nous avons voulu vérifier sur les variétés utilisées en France, si ça fonctionnait de la même façon, et également voir s'il y avait un intérêt de ce traitement à l'eau chaude par rapport à l'hydrocooling qui est pratiqué de manière courante par les producteurs. Donc, la première partie de ce travail a consisté à évaluer l'intérêt du traitement à l'eau chaude appliqué par trempage. Donc, nous avons fait des essais après la récolte sur deux variétés de niveaux de sensibilité différents au rosissement et à deux dates de récolte sur la campagne. L'exemple que je vous présente ici a permis de comparer trois techniques, donc l'hydrocooling appliqué par douchage avec de l'eau fraîche à 2 degrés pendant 20 minutes, qui était la pratique du producteur chez qui nous avons fait les essais. Cette pratique a été comparée au trempage à l'eau chaude à 55 degrés durant 2 minutes, suivi ou non par l'hydrocooling douchage selon la pratique du producteur. Donc, dans nos essais, ce trempage a été appliqué donc, au sein de la station du producteur 2 à 3 heures après la récolte. 24 heures après les traitements post-récolte et après une nuit passée en chambre froide, nous avons transféré les colis d'asperges durant 3 jours dans une cellule qui permettait de simuler les conditions d'un point de vente avec 13 heures de lumière par 24 heures à une température de 20 degrés et à 50% d'humidité. Après 24 heures et puis donc passé dans ces conditions, puis après toutes les 24 heures durant ces 3 jours, les asperges ont été suivies et leur couleur a été mesurée afin de suivre l'apparition du rosissement. Donc, je vais vous présenter ici les résultats sous forme de photos qui me semblent plus parlantes que des chiffres. Et puis, ils permettent bien surtout de comparer les différentes modalités testées. Donc, vous avez sur la photo de gauche la pratique du producteur, donc les asperges qui ont été hydrocoulées, qui après 24 heures montrent un rosissement assez marqué. Et vous avez sur votre droite les asperges qui ont été traitées à l'eau chaude à 55 degrés durant 2 minutes, suivies par l'hydrocooling. Donc, vous voyez en comparaison ces asperges-là qui sont restées, qui sont après 24 heures toujours blanches telles qu'on les avait eues à la récolte. Les asperges trempées à l'eau chaude non hydrocoulée, hein, je ne vous ai pas mis le résultat puisqu'il était exactement similaire à celui du trempage à l'eau chaude suivi par l'hydrocooling. Alors, ces essais nous ont permis de montrer, donc, d'une part, l'intérêt du traitement à l'eau chaude pour bloquer et limiter le rosissement de l'asperge. Et d'autre part, nous avons vu dans ces essais que le fait de rajouter l'hydrocooling après le traitement à l'eau chaude permettait de garder la fraîcheur du produit. Dans un deuxième temps, notre étude a porté sur le douchage à l'eau chaude. On voulait comparer la technique pour savoir celle qui serait peut-être le plus adaptée à l'asperge blanche. Dans ce cadre-là, nous avons fait des douchages à différents niveaux de température, indiqués ici 53, 56 ou 58 degrés. Pour chaque niveau de température, nous avons appliqué 2 durées, donc qui pouvaient aller de 45 secondes à 2 minutes selon la température. Ces traitements à l'eau chaude ont systématiquement été suivis d'un hydrocooling, cette fois appliqué par trempage, puisqu'on avait vu l'intérêt par rapport au refroidissement rapide par derrière de l'asperge. Donc, la technique du douchage ici a été comparée à l'hydrocooling par trempage à 1 degré pendant 5 minutes. Tous ces traitements-là n'ont pas été réalisés chez un producteur, puisque l'équipement, c'est un équipement expérimental qui est sur le centre de Saint-Rémy et qui a été donc appliqué 3 à 4 heures après la récolte. Comme dans les essais trempage, nous avons transféré au bout de 24 heures nos asperges dans les conditions qui simulent le point de vente, toujours dans les mêmes conditions, et également les mesures de couleur des tourillons ont été mesurées toutes les 24 heures pendant les 3 jours. Donc, comme précédemment, donc les résultats
sous forme de photo. Donc, vous avez sur la photo complètement à gauche la modalité hydrocooling qui montre que les asperges, après 24 heures, ont développé un rosissement assez marqué, même s'il était moins que dans les essais trempage. Vous aviez sur la photo au centre les asperges qui ont été traitées à l'eau chaude à 58 degrés pendant 45 secondes, qui montrent un léger rosissement. Et la photo complètement à droite, donc la même modalité en termes de température, mais là, appliquée deux fois plus longtemps. Et là, les asperges sont restées complètement blanches durant ces 24 heures. Donc, dans ces essais, on voit que la meilleure efficacité pour limiter le rosissement a été obtenue à cette température-là, avec le temps de douchage le plus long. Donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir un peu plus de détails, puisque là, j'ai été un peu rapide sur ces résultats, vous pourrez retrouver la synthèse des résultats à la fois de trempage et de douchage dans un article qui a été publié dans InfoCTIFL en juillet-août de 2019. Donc maintenant, pour aller plus loin, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit pour Potimarron. C'est on voudrait voir l'intérêt du traitement à l'eau chaude, mais à l'échelle cette fois, on va dire semi-industrielle. Et donc nous allons prochainement refaire une série d'essais en utilisant la machine à douchage Crovara qui a été installée à Saint-Rémy. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patricia. On a eu pas mal de questions pour toi, alors notamment sur l'impact de la thermothérapie sur les qualités organoleptiques des potimarrons. Est-ce que ça impacte les goûts ? Alors, je n'ai pas actuellement la réponse, puisque dans ces deux premières séries d'essais que nous avons fait là sur les deux ans, on s'est vraiment focalisé pour l'instant sur la partie intérêt, dans le sens où y avait-il un intérêt, intérêt dans le terme efficacité par rapport au développement des maladies. Mais par contre, ça, c'est prévu sur l'année 2021 de suivre en parallèle l'évolution des sucres pour voir si on sait qu'en conservation, l'amidon se transforme en sucre, que de ce fait-là, il y a une évolution qualitative du potimarron, mais on voudrait vérifier si le fait de les traiter à l'eau chaude, ça impacte ou pas. Ça, pour l'instant, je n'ai pas ces résultats-là. Ok, merci. On a aussi des questions qui me portent sur le séchage, la technique de séchage utilisée après le trempage. Alors, là, on va dire que comme on est au stade expérimental, nous avons laissé les petits marrons se réessuyer comme ça dans des caisses à jourer durant comme ça nous prend toute une après-midi entre les différentes modalités. Donc, en gros, ça reste, on s'est resté quelques heures avant d'être rentré en conservation. On a vérifié à la fin que les potimarrons n'avaient plus de traces d'humidité. C'était purement visuel et réessuyage, on va dire, naturel. D'accord, merci. Y a quelqu'un qui se demande aussi s'il y aurait un intérêt à renouveler le trempage des potimarrons 5 mois après la récolte, peut-être pour augmenter la durée de conservation. L'intérêt, je ne saurais pas dire, sachant qu'on a tellement on a trouvé que c'est un moyen intéressant et efficace, mais comme vous l'avez vu, sur certains lots, il y a vraiment un différentiel. Donc, je pense que les lots là actuellement que l'on a, qui ont été trempés, qui au bout de 6 mois n'ont toujours quasiment pas bougé. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Après, pour les loups qui, comme on avait eu l'année dernière, qui avaient décroché plus tôt, ça aurait été de toute manière, je pense, un peu trop tard. Par contre, ce qui serait intéressant, Mathieu en a un peu parlé en introduction, c'est que on avait parlé du stade de récolte. Et nous, si on a fait nos essais durant les 2 années à 15 jours d'intervalle, c'était aussi un peu pour voir ça, s'il y avait un impact de cette date de récolte en plus qui venait se cumuler. Et on voit les 2 années de suite qu'on a un différentiel entre les deux essais. Donc, ce qui veut bien dire que si on pouvait coupler à la fois un stade de récolte optimal et le traitement à l'eau chaude, on est bien meilleur que si on fait pas attention au stade de récolte et si on fait on prend le mauvais stade et la désinfection à l'eau chaude.
Donc, si on cumule les deux, ça peut être là la voie de une bonne voie, je pense, pour l'avenir, pour le développement du petit marron. D'accord, merci. De rien. On a aussi pas mal de, enfin, une question qui est liée au coût engendré par le trempage. Est-ce que ça. Alors, non, mais ça non plus pour l'instant, c'est des choses, des données qu'on n'a pas, puisque là, on est vraiment à l'échelle expérimentale, donc ça serait absolument, même si on avait calculé, nous, dans nos essais, ça serait pas transposable. Par contre, ce qui peut être envisagé, c'est maintenant qu'on va essayer de passer sur une machine, donc là, qui est de taille, on va dire, industrielle, donc qui aura forcément des coûts énergétiques de taille industrielle. Il est prévu, cette fois, de pouvoir récolter, on va dire, récupérer les données pour pouvoir faire ces estimations-là. Mais pour l'instant, à l'échelle expérimentale, on ne l'a pas faite. D'accord, je crois que... Je pense qu'il existe des données, alors pas spécifiquement liées au potimarron, mais liées à la technique du trempage à l'eau chaude. En Bretagne, chez les producteurs d'échalotes et d'oignons, voilà, le trempage à l'eau chaude, c'est quelque chose qui est utilisé traditionnellement sur les bulbes d'échalotes avant plantation. Alors, on n'est pas totalement sur les mêmes températures, mais le principe est le même. C'est des palox d'échalotes qu'on trempe dans un bain d'eau chaude pendant... quelques minutes ou un petit peu plus. Et donc, il y a des données qui existent, technico-économiques, sur le sujet. Donc, il y a sûrement des éléments qui doivent être disponibles. Et c'est la Chambre d'agriculture du Finistère, je pense, qui a piloté ce travail. Oui, si je peux rajouter, même si moi, je ne l'ai pas sur Potimarron, la machine Crovara qui a été développée a été en premier développée pour la désinfection des pêches nectarines. Et là, par contre, comme c'est maintenant, les machines sont en cours de développement dans le domaine des professionnels, là, il y a eu des études économiques pour la production de pêche nectarine, les données existent. Donc, bon, voilà, après, il faut transposer, mais c'est vrai que, comme dit Mathieu, ça peut exister sur d'autres produits. D'accord, merci. Il y a plusieurs personnes qui s'interrogent aussi sur ce qui a été exactement testé dans l'essai sur le potimarron. Est-ce qu'il y a eu uniquement du trempage ou est-ce que la technique de curing a aussi été évaluée sans trempage? Alors, le curing, ça a fait partie, comme Mathieu l'expliquait au départ, d'essais antérieurs au projet OptiPot. Différentes stations avaient mis en place des essais pour valider ou invalider la technique sur Potimarron. Dans les différentes stations dans lesquelles ça a été testé, ils n'ont jamais vu d'intérêt à apporter, enfin en tout cas pas d'amélioration de la conservation qu'ils mettaient en place ou pas le curing. Donc nous, on ne l'a pas évalué en tant que tel, mais je sais que ça a déjà été fait avant le projet OptiPot dans certaines stations. Donc les résultats doivent être disponibles quelque part, oui. Et ont été publiés, ça c'est sûr. Ça a été publié par la Serraille et par la station de Auray, si je ne me trompe pas. Oui, je pense aussi au CHBS, ils l'ont fait. Ouais. Mm. Il y a aussi des choses, je rebondis sur d'autres questions concernant les modes de stockage. Il y a des choses qui ont été faites aussi sur ces deux stations, oui. Sur les modalités de stockage, sur si on doit les mettre dans les caisses, si on doit les mettre sur des étagères, si on doit séparer les potimarrons les uns des autres, si on doit les coller ou pas, enfin voilà, tout ce genre de choses a été testé. Il y a des éléments qui ont été publiés qui sont disponibles. D'accord, merci. Pour terminer, il y a une question. Enfin, il y a plusieurs questions générales sur les deux espèces, en fait, qui peuvent s'appliquer aux deux espèces. Il y en a une qui concerne l'intérêt en bio, peut-être d'utiliser des produits à base de micro-organismes ou l'usage d'osmorégulation pour contrôler, avant la récolte, pour faciliter la conservation. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Pas du tout, non, c'est pas des techniques que j'ai évaluées. C'est vrai que pour l'instant, on avait focalisé dans ce projet-là les travaux sur l'eau chaude et on n'a pas ouvert à d'autres techniques. Donc, je n'ai pas malheureusement d'éléments sur ces techniques-là. Ok, merci. Et sur les deux espèces toujours, est-ce qu'il y a des impacts de traitement à l'eau chaude sur la teneur en vitamines et sur les qualités nutritionnelles en général des produits? Est-ce que vous avez évalué ça? Non, la partie qualité, on ne l'a pas suivie. La seule chose qu'on ait suivie, mettons, sur Asperge, c'est les aspects fraîcheurs, hein, puisque c'est pour ça qu'on avait...
enfin, on préconise de remettre à température rapidement par hydrocooling après le traitement à l'eau chaude, puisque la petite perte en eau qu'on avait pu constater du fait du traitement à l'eau chaude a été contrebalancée, le fait de rafraîchir rapidement et de réhydrater. Ça, donc, sur l'aspect fraîcheur, on a mesuré, mais pas plus que ça au niveau nutritionnel. Il n'y a pas d'analyse qui ont été faites. D'accord. Et ensuite, je reviens un peu sur le potimarron et sur le pâtisson. D'ailleurs, est-ce que ces techniques de trempage à l'eau chaude peuvent être intéressantes pour le pâtisson et les potimarrons de diversification, par exemple? Potimarron de diversification, je ne vois pas trop. Enfin, bon. En tout cas, bon, pour l'instant, dans le projet était intitulé potimarron. Donc, pour l'instant, seulement le potimarron a été testé. Par contre, il est envisagé, suite à ce projet, de continuer, bien sûr, à travailler sur la conservation des courges de manière plus générale. Les prochains produits qui seront testés, ça sera d'abord la butternut à la demande des professionnels. C'était ce qui nous a été demandé. On peut mettre pâtisson dans la liste pour la suite, mais voilà, pour l'instant, c'est potimarron et butternut qui devraient venir par la suite. D'accord. Et sur les asperges, cette fois, qu'en est-il de la conservation en asperges vertes et violettes? Est-ce qu'il y a un intérêt des traitements thermiques sur ces asperges? Comme le nom l'utilise comme un moyen de limiter la synthèse des anthocyanes, je vois pas trop l'intérêt sur les produits colorés parce que sur la violette par exemple, c'est le but qu'elle soit violette, donc c'est pas intéressant. Sur la verte, la production, elle est faite pour que la chlorophylle soit synthétisée, donc pareil, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt pour l'asperge blanche, il vient vraiment du fait qu'on bloque la synthèse des anthocyanes, donc on bloque le rosissement. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les autres produits. Qui n'a pas d'intérêt, en tout cas, pour les autres produits. D'accord. Et enfin, j'ai une dernière question qui concerne les deux espèces, on va dire. Qu'en est-il de l'utilisation de l'eau ozonée pour la mise en conservation? Alors, vaste sujet. L'ozone, pour moi, c'est un sujet qui est encore à part et différent, puisque l'ozone est soumis à de la réglementation qui est pour l'instant est complexe et on ne peut pas l'utiliser directement sur les produits. Le CTFL a un programme spécifique ozone qui est en cours et qui est en discussion. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de données là-dessus. Très bien. Je te remercie pour toutes ces réponses. Rien. Et maintenant, je vais laisser la parole à Claire, que j'invite à monter sur scène, s'il vous plaît, pour travailler sur présenter ses travaux sur l'élaboration de la qualité du melon. Merci beaucoup, Claire. Bonjour. C'est bon, le son passe bien? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je vais vous présenter des résultats sur l'élaboration des qualités du melon qui sont issus d'un projet, le projet d'Imabel, qui s'est déroulé en partenariat notamment avec l'Université de Perpignan et puis une autre unité INRAE qui est l'unité de PSH située à Avignon, sachant que l'unité dans laquelle je suis moi est située près de Perpignan. Alors, ce projet est un projet qui a été financé par l'INRA, par le programme AgriBio 4 de l'INRA, entre 2016 et 2019, et qui avait deux objectifs principaux, qui étaient, en système maraîcher sous abri froid, de caractériser leur performance pour les enjeux de qualité des produits sur deux produits phares, la tomate et le melon, et aussi, deuxième objectif, d'analyser comment la protection agroécologique des cultures peut être conçue, pilotée et améliorée. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement des résultats qui concernent la partie qualité, et a fortiori qui concerne uniquement la culture du melon. Ce que j'entends par qualité, c'est à la fois les dimensions agronomiques, mais aussi commerciales, nutritionnelles et gustatives de la qualité. Le projet d'Imabel est un projet qui s'est appuyé sur trois types de dispositifs combinés, et en particulier sur des dispositifs expérimentaux, à la fois système et analytique. Donc, les résultats que je présente aujourd'hui sont issus directement de ces dispositifs expérimentaux, sachant que leur conception, mais aussi leur évaluation,
a été influencé par d'autres dispositifs et en particulier des entretiens et des ateliers qui nous ont permis de mettre en discussion le choix variétal, le stade de récolte, les modalités de stockage post-récolte, mais aussi les critères de qualité à étudier en priorité. Les premiers résultats que je présente sont issus d'une expérimentation qui s'est déroulée en 2016 et qui a consisté à comparer 4 variétés dans 2 abris, dans 2 tunnels différents, avec un abri conduit selon le cahier des charges de la production intégrée et un autre abri conduit selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Je vais me concentrer là sur les résultats de l'abri conduit selon le cahier des charges AB. 3 critères prioritaires ont guidé le choix des variétés. Tout d'abord, la disponibilité en semences non traitées ou homologuées AB. La présence de différentes résistances et notamment la présence de résistances intermédiaires aux pucerons AFIS. Et puis, troisième critère prioritaire, le potentiel gustatif. Donc, sur la base de ces critères, les 4 variétés retenues étaient la variété Artemis, la variété Godiva, la variété Stelio et la variété Felino. Nous étions sur des parcelles qui n'avaient pas de problématiques de pathogènes particulières, ce qui nous a incité à ne pas greffer ces melons. Ces melons ont été plantés sur un calendrier plutôt classique avec une plantation début avril et une récolte pendant la première quinzaine de juin. Fertilisés sur la base de besoins estimés à 100 unités d'azote, 60 de potasse et 250 de 60 de phosphore pardon et 250 de potasse. Nous avons conduit l'irrigation en nous basant sur l'ETP et en diminuant les coefficients culturaux pendant les 15 jours avant la récolte, puis pendant la récolte, de manière à diminuer les apports d'eau sur cette période en vue d'améliorer la qualité gustative. Et la protection des cultures s'est basée sur l'implantation de plantes de service dans les tunnels et puis sur la réalisation de lâchers. Alors, les résultats sont présentés ici sous la forme d'un classement relatif des 4 variétés à partir d'indicateurs agronomiques avec le rendement commercialisable et les taux de déchets, des indicateurs organoleptiques comme la fermeté, le rapport entre les sucres et les acides, le BRIX, qui ont été évalués à partir d'analyses physico-chimiques, mais aussi un autre indicateur, le plaisir en bouche, qui a été évalué sur la base d'un test de dégustation réalisé avec des consommateurs. Et enfin, des indicateurs nutritionnels, comme la concentration en vitamine C, en caroténoïdes ou encore en polyphénol. Ces différents indicateurs étaient à maximiser, sauf le taux de déchets, qui est, lui, bien entendu, à minimiser. Alors, sur la base de ces indicateurs, la variété qui se distingue dans cet essai est la variété Godiva, qui s'est distinguée sur les 3 catégories d'indicateurs. Ensuite, une autre variété qui a été bien classée est la variété Stelio, qui s'est notamment distinguée par rapport aux indicateurs nutritionnels, que ce soit la vitamine C, les polyphénols, mais aussi les caroténoïdes. Et puis la troisième variété est la variété Artemis, qui elle est notamment bien ressortie lors du test de dégustation. Ensuite, en 2018, la culture de melon a été de nouveau étudiée, cette fois-ci à travers son insertion dans l'expérimentation système CATIS-LEG. Il s'agissait d'une expérimentation financée par Défi Ecophyto et qui combinait 2 modes de conduite, avec de nouveau des tunnels conduits en production intégrée et des tunnels conduits selon le cahier des charges AB, et puis des systèmes conçus pour viser 2 modes de commercialisation différents, la vente directe d'une part et la vente en grande et moyenne surface d'autre part. Ce que je vais présenter ici, c'est des résultats qui concernent les tunnels visant la vente en grande et moyenne surface. Alors, sur la base des résultats de l'essai 2016, qui ont été remis en perspective par des discussions avec des professionnels, nous avons retenu 2 variétés, Godiva et Stelio. Et puis, pour les mêmes raisons indiquées tout à l'heure, nous n'avons pas greffé ces variétés. La conduite est globalement assez proche de celle menée en 2016, avec un calendrier similaire. En revanche, bien sûr, pour la fertilisation, les melons du tunnel conduit en production intégrée ont reçu une partie de l'azote avant la plantation
et puis une partie en cours de culture sous forme de fertilisation. Pour l'irrigation, le principe global était le même, avec l'objectif de réduire les quantités d'eau apportées avant la récolte et pendant la phase de récolte. Par contre, cette fois-ci, le pilotage s'est fait en utilisant des tensiomètres et plus précisément des sondes Watermark. La protection des cultures repose sur les mêmes principes et on peut noter qu'elle s'est déroulée de la même façon dans les deux conduites, puisque les pressions de bioagresseurs sont restées extrêmement limitées. D'un point de vue résultat, ce qui ressort ici et ce qui est synthétisé sur la partie gauche de la diapo, c'est qu'en fait, nos analyses ont montré que dans le tunnel conduit selon le cahier des charges AB, les teneurs en caroténoïdes, la sucrosité, les teneurs en acide, en particulier en acide citrique, mais aussi les teneurs en vitamine C, étaient significativement inférieures à celles mesurées dans le tunnel conduit selon le cahier des charges de la production intégrée. En revanche, les melons issus du tunnel AB présentaient un taux de matière sèche significativement plus élevé. Nous relions ces résultats aux variables agronomiques, et c'est ce qu'on peut voir sur la partie droite de la diapo, puisque dans le tunnel conduit selon le cahier des charges AB, les niveaux de rendement obtenus sont supérieurs pour les deux variétés. Ce qu'on peut voir ici, avec à la fois un nombre de fruits par mètre carré supérieur dans ce tunnel et un rendement en kilos par mètre carré supérieur dans ce tunnel conduit en AB. Si on va un peu plus loin dans l'analyse de ce qui s'est passé, on peut remarquer que le développement végétatif des deux cultures de melon se diffère en fonction de la conduite. Et on peut observer ici sur la figure un développement végétatif légèrement supérieur pour les melons issus de la conduite AB. Et c'est ce qu'on voit en particulier pour la variété Stelio avec l'indice de surface foliaire qui est représenté sur ce graphique et qui est supérieur à celui mesuré dans le tunnel en production intégrée. Nous relions ces deux éléments, que ce soit le rendement ou le développement végétatif, à la conduite de la fertilisation et aux conséquences qu'elle a eues sur les niveaux de nutrition azotée des cultures qui ont été déterminés à l'aide de la méthode PILAZO. Ce qu'on peut observer sur la partie gauche du graphique, c'est dans le tunnel en production intégrée, en bleu ici, des teneurs moyennes en nitrate pétiolière qui sont inférieures à celles observées dans le tunnel conduit selon le cahier des charges AB, et ce en particulier sur la période de mai à début juin, donc sur la période de grossissement des fruits, des teneurs inférieures et même inférieures au seuil préconisé par la méthode PILAZO. Et ce, en dépit de l'apport d'azote par fertilisation dans ce même tunnel. Alors, quelques mots pour finir et présenter aussi quelques perspectives. Sur ces essais, nous avons pu identifier un compromis entre qualité commerciale et qualité gustative. Je pourrais même dire entre qualité commerciale et qualité gustative et nutritionnelle. C'est des résultats qui sont en revanche différents de ceux que nous avons obtenus pour la culture de tomates et que je n'ai pas présenté aujourd'hui. Dans les conditions de nutrition azotée de l'été 2018, et je précise bien dans ces conditions-là, la conduite en production intégrée a permis d'améliorer différents critères de qualité gustative et nutritionnelle. En revanche, ces différences n'ont pas été perçues de manière significative lors du test de dégustation réalisé. Ceci invite à être attentif au pilotage de la fertilisation dès lors qu'on a des objectifs de qualité commerciale et gustative et nutritionnelle, y compris en conduite AB. Là encore, ces résultats diffèrent de ceux obtenus sur la culture de tomates, où c'est plutôt la tendance inverse qui a été observée. Et enfin, je n'ai pas présenté ici les différentes modalités de stockage testées, mais ce que je peux dire en quelques mots, c'est que lorsqu'on a pratiqué un stockage court, c'est-à-dire sur une durée de 5 jours et à basse température, à 5 degrés, les effets en tendance sur les différents paramètres de la qualité sont faibles, même si ces résultats restent à approfondir, puisqu'ils se sont basés notamment uniquement sur des analyses physico-chimiques et n'ont pas inclus la réalisation de tests de dégustation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Claire. On va pouvoir
passer la parole à Camille Vindras qui va vous présenter les résultats du projet semi-bio et particulièrement faire un focus sur la tomate. Bonjour, c'est bon, tout le monde me voit, tout le monde m'entend? Parfait. Bon, alors je vais vous présenter donc effectivement les résultats de l'étude sur la tomate cerise noire du Layon, donc issue du projet semi-bio qui visait donc qui est une évaluation multicritère de légumes de la sélection bio paysanne à la commercialisation. Et donc ah oui, c'est là qu'on bouge. Je vais d'abord vous présenter le projet, hein, les partenaires, les objectifs, les méthodes, et puis après, je vous présenterai brièvement les résultats, parce que effectivement, le temps est compté. Le projet a regroupé une grande diversité d'acteurs de différents horizons, donc enseignement-recherche avec l'Institut de recherche en horticulture et semences, AgroCampus. Il est financé donc, par les régions Pays de la Loire. Et il a associé également donc des acteurs de la société civile, comme des associations d'agriculteurs. Donc c'était BioLoire Océan, qui est donc une association qui regroupe un certain nombre d'agriculteurs et qui vendent leurs produits donc à travers une plateforme de distribution qui s'appelle les paniers biosolidaires. Voilà, et donc aussi également donc des acteurs du développement, l'ITAB et le CTFL. Des magasins bio aussi spécialisés ont été associés ponctuellement dans des actions dans le cadre de ce projet. Donc, ce projet avait plusieurs objectifs. Hein, il visait à sélectionner et commercialiser de nouvelles variétés donc, adaptées à la baie, à évaluer donc, la qualité sensorielle et nutritionnelle de ces variétés pour mieux les valoriser, et également donc, à étudier l'interaction génotype-environnement, c'est-à-dire les variations de comportement d'une variété dans des environnements différents, ça sur la qualité agronomique, sensorielle et nutritionnelle. Et tout ça en mobilisant tous les acteurs dans la sélection variétale du producteur au mangeur et en associant également donc, les distributeurs. Et ce projet, il a concerné un certain nombre d'espèces, donc notamment la carotte, la tomate, le poivron, l'aubergine, le potiron et le poireau. Donc, je vais vous présenter maintenant l'étude sur la tomate cerise noire du Layon. Donc, je vais vous préciser d'abord ce qu'on appelle souche. On a mis en place des essais, des évaluations multicritères donc sur 3 années. On a évalué la qualité sensorielle, la qualité nutritionnelle, mais également la qualité hédonique. Et pour essayer de voir si il existait des différences entre environnement de culture ou entre souches, s'il existait des différences, si elles étaient perçues par le consommateur. Alors, ce qu'on appelle souche, dans le réseau semences paysannes, en tout cas dans la sélection paysanne, ce sont des variétés qui ont été, donc des graines qui ont été initialement achetées à des sélectionneurs, et puis qui après ont été multipliées à la ferme pendant plusieurs années. Et derrière ces questions de recherche, derrière l'étude des souches, il y a une question d'adaptation à l'environnement de culture. On veut voir si ces variétés, après plusieurs années de multiplication à la ferme, sont plus adaptées à l'environnement que les variétés initiales. Donc, pour évaluer la qualité sensorielle, on a mis en place un certain nombre d'épreuves. Donc, la première année, on a mis en place un test de classement sur des critères sensoriels déterminant des préférences du consommateur, donc l'acidité, la sucrosité, l'épaisseur de la peau, la juteosité et l'intensité aromatique. Et en deuxième année, on a mis en œuvre un apping, donc qui est une épreuve de mesure globale de la perception, qui permet une mesure, on va dire, objective, une comparaison de la qualité sensorielle globale sans requérir un entraînement particulier des dégustateurs. Et en parallèle, on a fait également un profil sensoriel pour valider notamment cette méthode de napping, qui est une méthode qui est très adaptée finalement dans un contexte de recherche participative. Et donc, on a fait ces deux épreuves-là sur 5 échantillons de tomates cerises, donc 2 souches qui avaient été cultivées sur 3 environnements. Donc, on n'a pas 6 échantillons. Quand on est en recherche participative, système, il y a des fois des pertes. Et du coup, là, on n'avait pas dû avoir les six échantillons. Ceci dit, il y a quand même des résultats intéressants. Donc,
l'épreuve de napping. Donc là, vous voyez en fait la représentation commune des distances sensorielles perçues par l'ensemble du panel. Donc, il devait y avoir une dizaine de personnes, c'était des maraîchers du partenaire. Et donc vous voyez les échantillons donc, qui sont colorés par environnement de culture. Et donc, on voit quand même qu'il y a une différenciation qui a été perçue par les dégustateurs en fonction de l'environnement de culture. Et par exemple, que sur le terroir APS, vert, elles ont été perçues comme plus fondantes. Et dans le terroir TM, elles ont été perçues comme salées. Et on note également ici qu'il y a peu d'influence finalement de la souche. Donc la souche, elle est représentée, le barycentre des souches là est représenté en noir et on voit qu'elles sont assez proches du barycentre, ce qui fait qu'on a quand même un effet de l'environnement qui est plus important en tout cas que celui de la souche quand on voit ce genre de résultat. Pour ce qui est du résultat du profil sensoriel, il met aussi également, il met moins de différence finalement en évidence parce que finalement le napping il se concentre sur les distances sensorielles alors que finalement sur un profil sensoriel on va essayer de noter sur une échelle d'intensité les différentes caractéristiques. On note quand même deux différences significatives sur l'acidité et la sucrosité et notamment pour le terroir PS qui confirme les tendances du napping. Donc pour l'évaluation de la qualité nutritionnelle, donc on était toujours sur la question est-ce qu'il y a une différence finalement entre les environnements de culture et les souches. Et donc en 2017 et 2018, on a réalisé les mêmes analyses sensorielles, donc sur les métabolites primaires, donc les sucres et les acides, et métabolites secondaires, donc vitamine C, E, des caroténoïdes et puis les composés polyphénoliques. Et en 2019, on s'est concentré un petit peu plus juste sur les caractéristiques de goût. Donc, qui sont vraiment liés aux métabolites primaires, donc les sucres et les acides. Et on a quand même ajouté la vitamine C pour contrôler qu'il y avait pas les variations qu'on avait repérées effectivement les années d'avant. Donc là, c'est un exemple, hein, c'est une capture d'écran des premiers résultats, enfin, des résultats 2018. Donc maintenant, ils sont disponibles, hein, le rapport technique est disponible. Il faut aller sur le site de BioLoire-Océan pour avoir le rapport complet détaillé. Et ce que nous montre l'analyse de la qualité nutritionnelle au niveau notamment des métabolites secondaires, c'est qu'il y a peu de différences significatives. Donc, vous voyez la dernière colonne à droite, les NS, ça veut dire non significatif. Et donc, finalement, sur les métabolites secondaires, ici, vitamine C, E, caroténoïdes, on distingue peu de différences entre finalement des souches et des environnements. On reste sur de la tomate, cerise noire, du lion. En revanche, quand on regarde les métabolites primaires, donc ici les sucres et les acides, on voit quand même qu'il y a un net effet de l'environnement. Et on voit par exemple que les tomates du champ du hérisson sont quand même nettement plus riches en sucre que les tomates qui ont été cultivées chez Philippe Serrier. Et ces dernières sont plus riches en acides. Et donc, on voit quand même un effet de l'environnement sur ces métabolites primaires. Donc, comme on a évalué les mêmes variables sur plusieurs années, on peut se demander aussi s'il y a un effet de l'année. Ce qui est évident, hein, souvent quand on fait du génotype environnement, dans l'environnement, on inclut l'année climatique. Mais donc là, c'était l'occasion, on a eu l'occasion quand même de mélanger, d'associer toutes ces données. Et on voit quand même qu'il y a effectivement un net effet de l'année. Donc là, c'est une représentation multifactorielle toujours de l'analyse des données. Et donc c'est colorié en fonction des environnements de culture, mais on voit donc qu'en haut, donc dans le cadran à gauche, ce sont les échantillons de 2017 et qui sont caractérisés par des fortes teneurs en caroténoïdes, vitamine C, polyphénol, c'est-à-dire en métabolites secondaires. Les métabolites secondaires, ils sont associés souvent à des stress abiotiques, même biotiques, mais à des stress. Et donc peut-être que cette année-là, effectivement, on avait des fruits plus petits. A engendré de plus fortes teneurs en métabolites secondaires. Et on voit ici que les échantillons de 2018, donc à droite, eux, sont plus riches en sucre et en acide, donc en métabolites primaires. Donc pour l'évaluation de la qualité hédonique, on a mis en place plusieurs tests également. Donc on a mis en place un test de classement pour voir si les consommateurs, donc on l'a fait deux fois dans des magasins spécialisés, on voulait voir si concrètement les consommateurs percevaient des différences entre les souches et entre les environnements perçus. Et également, on a mis en place, on a rédigé un questionnaire pour les mettre dans les paniers solidaires pour essayer de mieux comprendre la consommation des tomates cerises noires du Lyon
leur préférence et leur acceptabilité. Donc, au niveau de l'évaluation de la qualité hédonique, les 24 dégustateurs ont perçu globalement peu de différence entre les souches et les environnements. Et on peut voir quand même qu'il y a des petits consensus. On va voir que peut-être que dans un environnement, il y en a qui ont plus perçu que la peau était moins épaisse. Mais c'est vraiment pas flagrant, quoi. Et donc, pour le questionnaire sur la qualité hédonique, on a noté une bonne acceptabilité, hein, les tomates cerises noires. Donc, c'est intéressant de poser la question parce qu'on est quand même sur un produit un peu atypique. Bon, c'est de la black cherry, mais quand même. Donc, on a une bonne acceptabilité. On a peut-être un petit problème d'épaisseur de peau. Et au niveau de la consommation, c'est la variable verte, donc un peu de tout, elle sert pour divers usages, donc pas uniquement pour la cuisine, pas uniquement pour la salade, pas uniquement pour l'apéritif. Donc c'était intéressant de voir finalement si ce produit-là aussi était bien accepté. Donc à la suite de ces travaux, donc là j'ai mis en exemple un flyer qui avait été fait avant le projet déjà, donc pour expliquer déjà le travail de sélection qui avait été fait sur la tomate cerise noire du Layon. Mais donc, il y a eu des nouveaux flyers qui ont été réalisés, qui sont mis à disposition, je pense, dans les paniers solidaires, puis également dans les magasins spécialisés, pour diffuser un peu les résultats et aussi témoigner de cette démarche-là, qui était à la fois enrichissante humainement, mais également au niveau des connaissances. Et donc, pour conclure, les analyses sensorielles montrent que les productions des différentes fermes, elles peuvent être vendues finalement dans le panier sous la même appellation, tomate cerise noire du Layon, parce que le consommateur ne perçoit pas la différence, bien que avec les analyses nutritionnelles, on voit qu'il y en a une. Ces résultats aussi montrent l'importance de l'environnement, des itinéraires techniques et de l'année climatique, je ne l'ai pas mis, dans la production des métabolites primaires. Et enfin, ce projet a été concluant dans le sens où il a vraiment rassemblé tous les acteurs, consommateurs, producteurs, distributeurs, techniciens autour d'un produit, donc la tomate cerise, mais il y avait également d'autres produits, notamment la carotte violette de la Loire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Camille. Claire, si tu veux bien revenir sur scène et nous rejoindre pour quelques questions. Merci. Pour l'instant, les questions sont essentiellement pour toi, Claire. Des questions très pratico-pratiques. Quelles sont les formes d'apport de NPK qu'il y avait dans les essais dont tu as parlé? Alors, pour la conduite en AB, c'était des formes organiques. Et en l'occurrence, c'était de l'ormandis complété avec du sulfate de potasse. Et pour la partie production intégrée, des engrais classiques et pour l'azote, de l'ammonitrate. Et sinon, sulfate de potasse également, principalement. Il y a également des participants, je crois que tu en as parlé, mais qui demandaient si tu avais des résultats sur d'autres espèces que sur le melon. Alors, j'ai entendu parler de tomates avec des résultats plutôt inverses. Et oui. Est-ce qu'il y a d'autres espèces Non, seulement melon et tomates. Et donc les résultats sur tomates sont plutôt opposés. Sont plutôt opposés avec des résultats, des indicateurs de qualité plus élevés dans les conduites AB que les conduites en production intégrée. Sur la tomate, on a un peu plus d'années d'essai. Et on fait notamment l'hypothèse que c'est lié à une culture qui est plus longue et où la fertilisation est plus compliquée à conduire en AB. D'accord. C'est une question que moi je me pose dans les outils utilisés ou les indicateurs utilisés et les résultats que tu as présentés. Il y a un décalage entre ce que j'ai pu percevoir sur une diapo entre l'indicateur BRICS et d'autres indicateurs tels que le taux de sucre ou le plaisir en bouche. Alors c'est marrant parce que dans mon esprit, BRICS était un indicateur de qualité sur le melon pour définir un stade de récolte et quand le taux était bon, on pouvait y aller, on était sûr d'avoir un bon melon. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ça et les résultats. Donc, est-ce que le taux de BRICS est un bon indicateur de qualité? En tout cas, c'est l'indicateur qui est le plus accessible, ce qui est quand même pas négligeable parce que les autres, ils passent par des analyses qui sont assez coûteuses à effectuer, y compris pour nous dans un contexte recherche.
Après, le BRICS, peut-être la limite, c'est que ça intègre différentes choses, en fait, puisque souvent, en simplifiant, on dit que c'est un indicateur des taux de sucre, mais c'est en réalité, si je reprends bien l'expression, un indicateur des teneurs en matière sèche, enfin des différents produits qu'il y a dans le fruit. Et donc, ça intègre les composés principaux et pas seulement les sucres, ce qui peut, je pense, expliquer une partie des différences. Ensuite, pour ce qui est des différences entre les analyses physico-chimiques et les tests de dégustation, j'ai l'impression que c'est quand même relativement classique sur que les tests de dégustation donnent des résultats opposés aux mesures. Bah, la sucrosité perçue n'est pas la teneur en sucre. Enfin, c'est connu en analyse sensorielle. D'accord, merci. Du coup, Camille, comme tu es là, est-ce que tu tu as fait un focus sur la tomate, là, mais est-ce que tu as d'autres est-ce que les résultats que tu as pu avoir sur d'autres espèces vont dans le même sens que ce que vous avez fait sur la tomate? Est-ce que tu peux dire quelques mots sur les autres espèces sur lesquelles vous avez travaillé dans ce milieu? Alors, on a vraiment travaillé sur quand même l'axe carotte, violette de la Loire et tomate. Les résultats sont assez similaires, effectivement, avec l'effet d'environnement qui est important, du sol, notamment aussi sur les saveurs, terpènes ou alors sucrées. Hein. Donc, il y a vraiment un rapport technique qui est détaillé. Alors, je pense qu'il faut aller sur le site de Biolorescien. On a travaillé les poivrons, mais plus sur des aspects hédoniques. On a travaillé sur les mélanges de poivrons multicolores ou des mélanges de poivrons ou de tomates pour voir si c'était possible de les vendre sous cette forme en magasin spécialisé bio, en mélange, ou s'ils préféraient les consommateurs acheter plutôt séparément. C'est plutôt séparément pour le coup. On a travaillé pas beaucoup de poireaux. Non, c'était surtout tomates, carottes et puis un petit peu d'études hédoniques sur un mode de commercialisation de légumes en mélange. D'accord. Là, je veux une question qui va dans ce sens-là. C'est est-ce qu'il y a d'autres des évaluations sensorielles qui ont été faites sur des semences paysannes dans d'autres régions? Et voilà, et est-ce que les semences paysannes concernent beaucoup de producteurs? J'ai quelques éléments de réponse. Donc, je sais qu'en Bretagne, il y a l'association Colcos qui travaille sur les potagères et qui développe un travail sur ces questions-là. Dans le sud-est, le Grab à Avignon, aussi un projet, notamment en lien avec l'Italie, toujours sur les potagères. Je pense qu'il doit y avoir sur les fruits également. Et il doit y avoir l'association ou la maison maisons des semences paysannes maralpines, oui. Qui travaille également sur ce genre de sujet. Donc il y a un certain nombre de projets. Exactement. En cours, mais il y a pas mal d'associations, Réseau Semences Paysannes, il y a Agrobio Périgord aussi, qui travaille aussi sur des problématiques de conservation aussi de potimarron, de toutes sortes de problématiques, mais sur effectivement des semences paysannes, parce que l'intérêt, c'est qu'il y a une diversité génétique, il y a vraiment une source potentielle d'amélioration par la diversité génétique au sein des populations. Et donc, il y a pas mal de travaux, effectivement, qui sont... Qui étudie les qualités globales, on va dire, de ces produits-là. Et, ouais. Et combien de personnes ça concerne? Ça commence à concerner, ça concerne de plus en plus de monde. Alors, j'ai une question, alors j'ai du mal à la saisir, mais la question sur. Ça concerne la tomate, donc ça doit être pour toi, Camille. Est-ce que tu as un témoin en tomate? Est-ce que le témoin est une variété hybride? On a mis sur certaines expérimentations, on avait d'Apaola. Pour tester sur. C'était pour les tests consommateurs, surtout. Et si, on avait aussi analysé en qualité nutritionnelle aussi, s'il y avait de l'Apaola. Donc, Paola, variété de tomates hybrides, rondes, rouges, classiques, qu'on retrouve un peu partout sur le territoire national. Et la première année, on avait mis plusieurs variétés aussi pour essayer de faire une typologie un peu des qualités. D'accord, merci. Je reviens vers toi, Claire. Il y a une question un peu plus tôt qui était, est-ce que tu as une hypothèse pour expliquer que l'azote semble plus important en bio qu'en agriculture raisonnée? L'hypothèse, elle est basée en fait sur la dynamique de disponibilité de l'azote.
où dans la conduite AB, on a apporté une quantité importante d'azote en fond avant la plantation et où elle a dû minéraliser. Enfin, ce que montrent les analyses de sol qu'on a fait en parallèle, c'est qu'elle a minéralisé au moment où la plante en avait le plus besoin, alors que je pense que les apports qu'on a fait par fertirrigation étaient probablement un peu trop tardifs. Merci. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Du coup, j'ai plus qu'à vous remercier de vos présentations et des réponses que vous avez pu apporter aux questions. Et puis, ben, je vais laisser la parole à Juliette pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce deuxième webinaire. Merci. Merci. Merci à toutes les deux et merci Mathieu. A priori, on a fait le tour de pas mal de questions, mais si jamais il en restait, on va faire un tour des questions qui auront été posées et on apportera des réponses a posteriori. Qu'on diffusera comme on l'a fait pour la première session du webinaire. Comme l'a dit Mathieu en introduction, donc ce webinaire, c'est une nouvelle forme qui a été adaptée des rencontres techniques traditionnellement organisées en présentiel, qui sont organisées en alternance tous les 2 ans sur fruits et légumes. C'est des événements qui sont issus d'une étroite collaboration entre les référents fruits et légumes de l'ITAB et du CTIFL depuis 7 ans. Et donc, on ne peut qu'espérer qu'elles se poursuivent sur une aussi bonne voie à l'avenir. Un des enjeux de la recherche publique des instituts techniques comme le CTIFL et l'ITAB et des stations régionales qui sont associées, c'est de produire des résultats qui soient utilisables par les producteurs dans un délai bref. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de mettre en évidence des travaux récents sur la conservation et la qualité des produits en agriculture biologique, qui sont des résultats qui sont applicables plus ou moins directement après avoir été approfondis et mis à l'épreuve du terrain. Et par ailleurs, les données de marché qui ont été présentées proposent une vision d'avenir sur la filière française et en particulier, dans notre cas, sur la filière des légumes bio français. L'ensemble des travaux qui ont été présentés aujourd'hui visent à apporter des réponses pour soutenir et accompagner le développement de la commercialisation de légumes biologiques. Et à l'avenir, ces travaux de recherche seront poursuivis par les instituts techniques agricoles et par les stations techniques partenaires pour acquérir de nouvelles références et valoriser les nouvelles connaissances lors d'événements de ce type que l'on ne peut qu'espérer de retrouver en présentiel rapidement. Comme cela a été dit également en introduction, vous pouvez retrouver la première session du webinaire qui portait sur la gestion de l'enherbement et des bioagresseurs en maraîchage biologique sur la chaîne YouTube du site du CTIFL pardon, et sur le site internet, rubrique événements passés. Au nom du CTIFL, je remercie le service de communication et notamment Sophie Lang qui nous ont été d'un réel support pendant toute la préparation du webinaire et y compris cet après-midi. Merci également à l'ITAB et à Mathieu Conseil pour la participation à l'organisation de cet événement. Nous remercions également les intervenants pour leur mobilisation autour de cet événement et pour la qualité de leur présentation. Et enfin, merci encore aux participants de leur intérêt pour ce webinaire et pour leurs nombreuses questions qui ont permis de riches échanges. Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la prochaine session des rencontres techniques légumes AB que l'on espère en présentiel. Merci à tous et au revoir.